on est back. Salut à tous. Le Gala Dynasty est passé. On a voulu prendre ce petit moment pour vous remercier. Regardez, le trophée est là. Le trophée est là, il est beau, il est magnifique. Gala Dynasty, podcast de l'année pour D'Amour et des Sexes 2023. Et c'est ça, on voulait juste prendre un petit moment pour vous remercier, chacun d'entre vous, les auditeurs, ceux qui partagent, même les haters qui viennent, qui repartagent, retweetent en commentant. Merci à vous, vous aidez. Vous avez aidé, vous avez contribué. Voilà. et c'est ça. Et puis, shout-out à toute l'organisation du Gala Dynasty. On a passé une très belle semaine avec plein de nouveautés, dont le brunch qui était un super moment. Yeah. Les deux galas, c'était merveilleux de voir les professionnels de ce milieu et puis tout ça de personnes... Le Black Excellence célébré, tout simplement. C'était un beau moment qu'on a passé. Donc, c'est ça. Merci à vous, podcast de l'année, bébé. Get with the winning team. Écoute. Je dois faire un shout-out à une de nos auditrices que j'ai rencontrée hier pendant l'événement de l'UQAM, Être vue et entendue, perspective de femmes noires engagées. L'événement où il y avait Rokhaya Diallo. Et je t'ai promis de te faire un shout-out. Donc, je vais faire un shout-out à jayz.ts. J'espère que c'est bien comme ça qu'il faut prononcer ton nom Insta. En tout cas, tu te reconnaîtras. Shout out à toi, jayz.ts sur IG. Merci à toi de nous écouter et merci à toi d'aimer le podcast. On est back d'amour et de sexe tout seul, mais grand gagnant du prix podcast de l'année Dynasty. Écoute, on est vraiment fiers. Hey. C'est mon premier épisode sans Karen. Fait qu'est-ce que le podcast va devenir fresh and fit québécois? On ne sait pas, mais c'est tout. Sinon, merci beaucoup pour le prix. Puis c'est ça. Aujourd'hui, on a deux invités. Je vais vous laisser vous présenter. Aujourd'hui, on reçoit. Oh, OK. Pamela, connue sur Hellion Online. OK, moi, c'est Davidson, Toasted Ken. Faites quoi dans la vie? Je suis préposée aux bénéficiaires de nuit en CHSLD. Moi, je suis... moi, je suis analyste en télécommunication. OK, c'est nice, c'est nice. OK, fait que avant de commencer puis à vous poser la question que je pose à tous les invités, je vais commencer par faire les annonces. Achetez une merch, casquette et t-shirt d'amour et de sexe. Vous slidez dans mes DM, puis on se pogne un point de rendez-vous, puis on s'arrange pour se rencontrer. Je prends les EMT, je prends les PayPal, j'ai la carte que je mets dans mon téléphone aussi, sa carte de crédit. Je peux aussi envoyer les trucs outre-mer, c'est juste que vous allez devoir payer les frais de transport. Vous pouvez aussi faire des dons. Abonnez-vous, suivez-nous sur toutes nos plateformes, partagez, commentez. Puis abonnez-vous aussi à notre Patreon pour avoir 4 épisodes minimum à l'avance. Fac, la première question qu'on pose à tous nos invités, je dis « on », je suis tout seul maintenant. So, comment on shoot son shot avec vous? OK, ben moi, pour vrai, c'est simple, keep it real. Avec des memes, pour vrai, ça marche, c'était drôle. Puis quelqu'un qui prend son temps, là, quelqu'un qui rush trop, moi, j'aime pas ça, moi, je prends mon temps. Prendre à te connaître un petit peu pour qu'on soit confortable, puis que ça soit agréable pour tout le monde. C'est quoi prendre son temps? Ben, à prendre le temps de se connaître dans les DM un petit peu, là, pas genre, on chill quand, là, comme, on vit... Le gars arrive, allô, comment ça va, c'est que qu'on chill. Ben, bro, tu sais, c'est pas chiqui, peut-être je suis psychopathe, là, comme t'es là, c'est quand qu'on chill. Tu sais pas... Je sais pas, mais moi, dans mon cas, c'est parce que je sais que quand ça niaise trop, ça se passera jamais. Ben non, mais je vais pas niaiser trop longtemps, je vais plus calculer, là. Mais si je niaise trop, ben, je le dis, moi, je peux être... Puis toi... Moi, je suis vraiment simple. Si t'es funny, good looking, puis t'es heel, we good. Ouais, heel. Yeah. C'est quoi, heel? Ben, quelqu'un, sommairement, là, qui est juste bien dans sa peau, qui est à l'aise avec qui qu'elle est, as a whole, like, comme, même les parties qui sont moins intéressantes. Comme. I'm fine with it. OK, dans le fond, quelqu'un qui est prêt à être vulnérable, genre type thing. Yeah, exactly. Oh, je savais tellement que t'allais glisser le vulnérabilité. Il y a quelqu'un qui est capable de laisser la porte de la toilette ouverte. Des restes de papier toilette. Exactement. I don't mind. I will give it to you. Vraiment ça. Non, mais ouais, on peut dire quelqu'un qui est à l'aise avec ses vulnérabilités. Exactly. Okay. C'est défaut. Yeah. Self-aware aussi, je trouve que c'est important. Ouais, c'est important. Capable de faire la rétrospection, là, pas tout le temps être en train de dire c'est la faute de l'autre. Yeah. We grown, c'est pas tout le temps. Yeah. OK, fait quelqu'un qui vient, qui vient vous aborder dans la rue, ça devrait pas se passer comment à peu près? Oh, moi, ça dépend, parce que je suis tout le temps agressive avec les gens, avec les gars qui m'abordent dans la rue, premièrement. Là. Comme c'est arrivé avec un gars que j'avais rencontré en 2018.
Fait que on sort du club, il m'aborde, il aime mes cheveux, puis moi je suis comme t'es qui, genre ok, wow, merci. Puis là, il dit, il commence à parler, où c'est quoi ton nom, là, puis je suis comme Pamela. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis comme, c'est pas tes affaires. Fait que là, il dit, moi je suis un artiste. Puis là, quand il m'a montré ses dessins, je fais j'ai dit, ok, you can have my Instagram. Puis là, ben finalement, ben ça a été vraiment nice, là. On se parle encore. So basically, montrer tes dessins. Ouais, montrer tes dessins. Ça a marché, là. Tu dessines ça un plus. Ouais, c'est un point commun. Fait que c'est nice, ok. Aïe, aïe, aïe. Oh non, moi, non, faut pas me parler dans la rue. Je suis vraiment pas abordable. Non. Je suis focus, je vais du point A au point B. So, si tu m'abordes dans la rue, je vais juste te regarder comme, nah, man. Not today. I ain't doing that today. Nah. OK, puis est-ce que vous shootez votre shot? Ouais. Moi, j'aime ça shooter mon shot. Shoot avec des memes. J'aime bien shoot avec des memes. J'ai shoot mon shot avec un memes. Oh. Je te chatte avec mon memes. C'est un gars qui dit I think you have pretty eyes, but I like mine better because if I don't have pretty eyes, I couldn't see how pretty you were. Puis j'ai ça a marché. Faut chuter avec ce meme-là. Ouais, celui-là. Yeah. Merci, by the way, pour les t-shirts. De rien. C'était fait avec amour. Ben oui. Je voulais utiliser tellement ce meme-là, mais tab. Oh, you. Ben oui, yo. Ben ouais. I drag it to the ground. Yo. Moi, j'ai envie de l'utiliser, mais je suis comme, ah non, you know what, let it die. Maintenant, j'utilise Lil Baby. Là. Oh my God. Yo, je rentre dans un thread avec vous autres, là, puis genre... Oh, c'est la bande. Yo, ça faut quasiment que je mute les shit, là. Sorry, man. Oh, bon, on n'arrête plus, là. Ben oui. Sinon, toi, David, tu joues ton chat? Yeah, mais ça arrive, mais je suis plus... je suis vieux jeu, man. Tu vas pas aimer comment je shoot ma shot. Attends, comment ça se passe, Moi, je suis vieux jeu, je suis comme... Je vais arriver, puis je vais être comme... T'as vu comment je suis d'habitude? Mais là, il y a l'autre Davidson qui embarque, puis je suis plus comme... Salut, ça va? Ça, c'est quand même des fois très cheesy. Oh, ben. Yeah. J'avoue, but it is what it is, c'est comme ça que je suis. Mais c'est correct, at least you're true to yourself. Ben oui. Ok, t'es genre... T'essayes trop, genre? Non, même pas. C'est ça l'affaire. Il est tout nonchalant, genre. Ouais, c'est ça l'affaire. J'ai une certaine nonchalance qui est constante dans moi. Je vais arriver, puis je vais juste changer de diminuer, puis tout le monde va dire, what the fuck? Je vais dire, let me go. Yeah, ben c'est ça. C'est vraiment, je suis vraiment très relax comme personne. Ah, c'est bon. D'amour et de sexe et le comptoir Plaza Créole sont fiers de vous annoncer leur partenariat. On a été avec Jude manger au comptoir Plaza Créole. C'est un restaurant proche du métro Beaubien sur la rue Saint-Hubert. Vous retrouverez là-bas griots, poulet barbecue, tasseaux de bœuf, poisson, mac and cheese et plein d'autres spécialités haïtiennes. J'ai mangé leur poulet barbecue et Jude a mangé leurs légumes. On vous garantit, c'est délicieux. Visitez le comptoir Plaza Créole au 6670 rue Saint-Hubert à Montréal. Fait que, on va passer au courrier du cœur. Cette semaine, c'est, je me rappelle plus, je pense que c'est une anonyme, mais tu peux-tu la lire, Pamela? Yo, c'est lequel? C'est la première page, ici. Ok, je me sens comme... Ok, j'aime pas se lire comme ça. C'est quoi? Tu vas lire comme third grade? Laisse en prendre un petit... non, c'est... Mais moi, je lis de même, c'est pour ça que je l'ai nippé. C'est pour ça que c'est toujours carré. Exactement, t'as tout compris. Ok, mais est-ce que je lis le même? Ok. Oui, c'est ça. Hey, Jude et les invités, je couche régulièrement avec plusieurs attends, personnes. Attends, parle dans le mic, là. Oups. Ouais, hein, je suis habituée à avoir le mic. T'as l'habitude d'avoir d'autres choses dans tes mains. Ouais, c'est ça, t'as vu quand j'ai le mic. Exactement, qu'est-ce que tu fais? Y'a rien ici. What are you doing? Ma fille caresse. Hey, Jude et les invités. Playing with the balls. Hotline. Ben oui, vas-y, fais-le érotique. Ok. Bon, faut que je fasse. Bon, là, je m'en vais gêner, là. Hey, je les invités. Je couche régulièrement avec plusieurs personnes, mais j'ai l'impression d'avoir différentes personnalités avec chacun d'entre eux, pour qu'ensuite, je sois perdue vis-à-vis moi-même. Et j'arrive même pas à arrêter mes relations, because I want the dick. OK, I get that. Ouais, que faire, mais I get that, I'm on the dick. Pas dit que faire, I get that. Ben, faire, ouais, non, elle a dit que faire, elle a dit que faire. Que faire, ben, I get that you want the dick, mais comme, you need to be true to yourself. Comme, tu peux pas être plusieurs personnes pour plaire à chaque partenaire.
tu dois, les partenaires doivent te plaire. À, vous devez vous trouver des common ground. Si tu changes de personnalité comme ça, c'est parce que c'est plus toi qui t'adaptes aux partenaires, je pense, que eux. Mm. Fait que tu te perds là-dedans parce que you don't know who you are at the end of the day. So maybe you need some time to a pause for the dick. I know it's hard. Surtout quand c'est pas vrai, t'as pas envie de le faire, là, comme... I know it's hard, but, like, you gotta do it for yourself parce que you know better. So, and you will get better, so... Ouais. Ben, clairement, she doesn't know better, là. Ben, là, non, mais peut-être avec ce petit conseil-là, j'espère. Yeah, moi, c'est la portion où elle change de personnalité. I'm like, what the fuck's going on? Switch my wig. Moi, dans ma tête, je suis comme, is this like a Sasha Fierce thing? Elle arrive, là, elle est fucking wild. C'est une performance. C'est là. Ça. À chaque fois, il y a une performance différente. Ben ouais, après, elle peut bien être fatiguée. Là. Ouais, moi aussi, c'est ça, comme Kat Chiki, là, tu peux vraiment être rigué comme dans ce truc de personnalité. Tournée, exactement. Mais effectivement, je suis un peu d'accord avec ce que Pamela dit par rapport au fait que tu dois prendre le temps. Surtout, regarde, couche avec qui tu veux, that's your prerogative. Mais si tu es rendu à changer ta personnalité... En fait, tu te perds, là, tu sais même vraiment plus quitter. Non, là, ça, c'est fucked up. Là. Ça, c'est plate parce que ça peut créer des affaires un peu plus sévères. Ouais. Même ces personnes-là, je leur ai dit, you know what, trouve-toi un thérapeute même. Tu peux juste te parler de tes expériences puis comment, de toutes tes performances. De qui tu es dans chaque performance. C'est qui Sabrina, Samantha. C'est ça que j'allais dire. Je me demande, est-ce qu'il y a des noms? Comme... Est-ce que dans chaque profil avec chaque gars, elle a une personne totalement différente? C'est ça, là? Je sais pas. C'est make-up, tout là, au complet. Là. Tu vois, des fois, elle est gothique, des fois, elle est pop rock. C'est ça, des fois, elle aime le K-pop. Yeah. Mais moi, je pense que c'est juste vraiment comme à chaque gars qu'elle rencontre, elle veut juste plaire à ce gars-là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment plaisir. Mais vous plaisez les deux, c'est un travail d'équipe. C'est les deux, ça travaille. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Ouais, ouais. C'est ça, forcez pas les choses. C'est ça, ça se peut que ce soit du people pleasing, full force. Là. Mm-hmm. Ouais, that's why she's left. Puis, you do a little bit too much for the dick. Comme... Yeah, girl, don't lose yourself for the dick. You're losing yourself for the dick. Don't lose yourself for the dick. Est-ce que vous êtes déjà perdu pour quelqu'un? Ah, okay, ouais. Been there. It's hard. Been there, ouais. But I found myself. C'est un travail à long terme, là. Still finding myself, là. Mais je me perds plus, comme pour des dicks. Moi, je n'ai plus. Ça me fait chier, c'est fini. Je te bloque. Genre, je dis ce que j'ai à dire. Si tu comprends pas, moi, je te bloque, là. Yeah. Ok, attends, mais après combien de temps de. Ben là, je laisse trois chances. Comme je prends des femmes. Let's go. I want to hear about okay. that. OK. Laisse pas chance, OK? Parce que j'apprends des fois, les gens, ils savent pas comment... Ils savent pas comment adresser, t'approcher des fois. Je suis comme, OK, maladresse. C'est chill. Je t'ai dit une fois, OK, j'aime pas ça, telle affaire. Ou non. OK, on comprend. Ça recommence. Je t'ai dit une deuxième fois. Puis une troisième fois, tu comprends pas. Mais tu n'es pas capable de respecter mes boundaries, bro. Ben là, my bad, je t'ai dit... Tu t'ostines, je te bloque. Je vais pas m'ostiner à faire valoir mon point que j'essaie de te faire valoir trois fois, là. It's enough. So, ouais. J'ai une ex qui m'a fait ça. Ben, pas une ex, on s'est fréquenté, là. Elle m'a donné trois strikes. Puis à chaque fois qu'elle m'en donnait un, man, elle disait, bon, là, c'est l'affaire. La deuxième strike, elle disait, bon, là, tu m'as fait cette telle affaire, puis tu m'as fait telle affaire aussi. Troisième strike, elle était comme, non. Cette fois-ci, tu m'as fait ça, et ça, c'est fini. Bon, moi, je savais pas que j'étais au baseball, tu sais. Ouais, oui, c'est baseball. Je suis désolé, mais c'est exactement ça que je dis à mes nièces. Comme, je suis comme, tu dois gager ton seuil de tolérance. Tu peux pas juste accepter whatever. Ouais, faut pas que tu te parles. Si ça t'énerve vraiment, puis ça dépend, puis ça c'est personnel. Si quelque chose te tape sur les nerfs, ça reste à toi. Il y a personne qui peut dire que t'es pas supposé d'être dérangé par quelque chose. It's you, ça te dérange. Mais il faut que tu sois capable de communiquer aussi. Tu peux pas juste rester à gonfler comme une dingue. Ouais, coin, non, c'est ça. Bien ballonné. Oh, tu m'as fait tête. Non. Tu le dis. Je peux me communiquer parce qu'on est tous. On est toutes nous-mêmes. Ouais. On fait ce qu'on veut à la fin de la journée. Puis des fois, tu vas faire quelque chose, tu peux déranger quelqu'un. Il faut que la personne te le communique. Là. Si tu ne me dis pas, yo, you get on my nerve when you, like, ouais, quand t'es high, là, whatever. Comme situation qui m'est déjà arrivée. Ah, ben là, je suis high. Parce que je fume beaucoup. Je fume énormément. Puis il y a une de mes copines que, back in the days. Elle aimait pas ça. Oh, she hated that. Comme, à mourir. Comme. Mais je suis comme, pourquoi t'es avec moi? Comme. Jusqu'à présent, I don't get it. Puis si elle voit le podcast. Pourquoi t'étais avec moi? We need answers. C'est clair que j'allais jamais comme. Non, t'arrêterais pas de fumer pour quelqu'un? Non. Non. Non.
non plus. Non, je suis désolé. I'm gonna stop. Faut que ça soit un choix personnel quand tu vas arrêter quelque chose. Si tu fais pour quelqu'un, tu vas recommencer. Fait. Moi, j'assume que je fume beaucoup. And I'm good with it. Puis je sais que c'est une addiction, là, mais... Ben c'est vrai. C'est une addiction. Mais je l'assume, mais comment je suis bien là-dedans. Fait que si ça te dérange, ben I'm not the one, baby. Ben oui, je me mens pas, là. Je suis pas comme si je te dis, c'est pas une addiction. Non, c'est vraiment une addiction. Puis des fois, même si que je suis capable de dire, OK, aujourd'hui, je fume pas, whatever, mais ça veut pas dire que j'ai pas besoin de fumer. Yes, malheureusement, je suis rendu au point où que j'ai besoin de fumer. Mais heureusement, je suis pas comme agressif quand j'ai pas mon affaire. Je suis pas désagréable. C'est juste que... Laisse-moi tranquille, man, le temps que je fume mon joint. On va être très chill. Mais y a-t-il des parties de vous autres que vous seriez prêtes à genre lâcher ou genre juste changer pour quelqu'un? Mais ça, c'est comme des qualités, des défauts, des trucs qu'on peut travailler. Mais il y a des trucs pour moi, comme quelqu'un qui va me dire, ah, comme tu sais, j'aime ça me faire tatouer, je vais avoir beaucoup de tatous. Puis là, si ça devait être là avec moi, puis tu te dis, ah, oh, moi, je trouve que t'as trop de tatous. Bro, là, comme c'est pas des trucs, ça c'est moi, là, that's me. Je vais pas changer des trucs que c'est moi, mais je peux changer des trucs que, mettons, sur des comportements où je trouve, parce que je peux être agressive. Moi, je suis agressive, là. Mm. Comme je prends les nerfs facilement. Damn. Surtout quand je suis dans ma semaine. Fait que, vraiment, je spiral. Je spiral, genre, sérieux, je me tends sur les nerfs. Je peux confirmer que. Damn. Lui, il m'a reconnu, il m'a dit, je suis en train de spiral. C'est pas rude de dire ça, il me semble. De quoi? T'es dans ta semaine. Non, ça me dérange pas parce que après, je check mon calendrier, je suis comme, you're right, je suis vraiment dans mes feelings. Ben oui. Fait que... Mais non, mais les gens disent, why would you assume? Non, mais pas vraiment, on est assez direct. Ouais, okay. C'est ça, on est tout le temps direct. Ma mère, c'est assez souvent aussi. C'est pas toujours soft, là, et love you. Des fois, elle me ramasse pas mal. Mais c'est quoi que tu disais? Yeah. Tu parlais de... Changer un peu. Exactement. Oh ouais. Oh shit. Maintenant, je sais plus ce que j'ai. TDAH en passant, là. Vraiment actif. Mais... Oh non, j'ai oublié mon idée. Mais toi, Davidson, t'as pas déjà changé une partie de toi? Oui, c'est une partie de moi. Je l'ai faite une fois. Parce que moi, sérieusement, comme... La manière que je définis les choses dans ma vie avec mes relations amoureuses, j'ai vraiment eu 3 relations sérieuses. Mm-hmm. Puis le reste, c'était des fréquentations. Mm-hmm. Puis dans ces 3 relations-là, il y a une fois, j'ai changé ma personne. Ouais. Puis je le regrette jusqu'à présent. Comme je ne ferai plus jamais ça. Comme. C'est quelle partie de toi que tu ne reconnaissais plus, mettons? Ben, tu vois, c'est un peu comme une sorte... C'est comme un virus, hein? Tu changes un morceau et puis le reste commence à s'adapter à ce morceau-là comme pour que ça puisse fit. Et puis je ne me reconnaissais plus comme mademoiselle avec ses personnalités-là. Sauf que moi, il n'y en avait pas 25. Il y en avait juste 2. Puis cette autre personne-là, non, c'était pas moi. Et puis c'est comme, je rentrais toujours dans un rôle avec la personne, comme si, scene. OK, fait quand t'étais plus avec la personne, tu redevenais toi-même, genre? Yeah. Oh, wow. Puis c'est pour ça que je me suis dit, je ne ferais plus jamais ça. Parce que je me sentais hypocrite à mourir. Ouais. Ben là, ouais. C'est fou, ça. Non, si tu ne prends pas le package as a whole, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, c'est pour ça que je veux heal. Tu viens as a whole, même avec tes imperfections, I'm fine with it. C'est ça, au moins t'assumes. Là. Tant que toi t'es cool avec, we're gonna be cool with it. Mm-hmm. Parce que moi je suis cool avec mes défauts. Puis honnête aussi, parce que moi là, j'avais déjà une situation que j'assumais les gens que avec qui je flirtais, qui étaient single ou qui flirtaient avec moi qui étaient single. OK, j'assumais parce que moi je suis single. Mm. Puis moi je vois la vie en rose, so, la réalité a vraiment hit. Puis, fait que là, comme, j'aime mieux quelqu'un qui me dise, mettons, quand je lance la situation, qui est honnête avec moi, qui me dise, OK, non, moi, j'ai quelqu'un. Au moins, tu laisses la personne le choix de, OK, est-ce que je le fais ou je le fais pas. Mais au moins, t'es honnête. J'aime mieux quelqu'un, même si c'est dur à dire, mais au moins, comme, tu me laisses le choix que, OK, on fait les trucs, puis après ça, j'apprends que t'as quelqu'un, genre. Mm-hmm. Ouais, j'avoue. Que, honnête. Honesty. With everything, even the ugliest things. Yep. Show me the monsters. Yep. I want to slay them. Moi, ce que j'ai déjà. Ben, je dirais que je suis adaptif, mais genre pas de temps. Okay. En fait, c'est comme à chaque relation, j'essaie de juste changer un petit... Pas changer un petit bout, mais genre juste genre... OK, je pourrais juste faire ça différemment, mais je me rends tout le temps compte que je devrais pas, en fait. Comme, mettons, ma liste, là, à chaque fois que je fais une concession, c'est toujours le point sur lequel ça marche pas dans ma tête. Genre, mettons jeudi, là. Elle a un enfant, mais je sais que moi, je veux pas quelqu'un avec des enfants. Je me suis juste essayé, genre, juste pour voir. Peut-être, je me suis dit, c'est peut-être moi qui est difficile, genre. Mais il y a à peine ce que ça marchait pas dans ma tête, là. Ben oui. Mais c'est ça. C'était des boundaries, là. Ben oui, puis... C'est correct. C'est ça. Voldemort, mettons, genre, comme polyamour, j'étais pas down.
Mais je me suis essayé quand même, comme, oh, si c'est juste ça. Mais c'est comme, ça. Oui, mais c'est quand même gros, tu sais. Ben oui, c'est gros. Puis c'est pas juste ça, parce que tout le reste de ta vie fit avec ça aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, puis si ça fit pas, ça fit pas. Hein. Ben faut pas essayer de rentrer, là. Pas te déformer pour mais c'est pour ça, aujourd'hui, je suis vraiment fucking strict, là. C'est genre, je laisse vraiment plus rien passer. Mais j'aimerais pas te déstresser, t'es rigide. Ouais. Oui, ben, ça revient un peu au même. Non, mais c'est parce que si t'es strict, tu vas pas vraiment comme avoir de discours avec quelqu'un. Je sais pas si tu vois. It is what it is. Ouais, puis tu peux pas ouvrir la discussion. Rigide, tu vas vouloir. Tu peux on encore. Tu peux bend un petit peu. Yeah. Ah, ok, ouais, je comprends. Strict, c'est comme je mets mon pied à terre, puis nobody gonna move me. Quoi. Tunnel vision, yeah. C'est that's it, tu veux pas entendre. Qui c'est ça? Je suis un peu entre les deux, en fait. Ok. Comme. La rigidité, non, mais... comment ça. Non, mais oui, c'est que ça commence à devenir du diamant. Hardening. Hard as fuck. Non, mais c'est juste que genre. Pour de vrai, dans ma vraie vie, genre, je suis capable d'être bendable. Okay. C'est juste... Pause! What? That's what she said. Bend me over. Oh. But I get it. Face down, ass up. I mean, the pose de yoga. Sunrise, that's what I do. Downward dog. Non, mais c'est ça, c'est parce que je me rends compte aussi que, genre, peut-être que c'est peut-être ma perception, mais je trouve que les gens ont pas autant de grâce que moi j'ai envers eux. Mmh. Fait que je me dis pourquoi je serais comme moi bendable et them pas pantoute, là. Fait que je me suis tu veux comme... la réciprocité. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, mais faut que tu trouves du monde qui sont comme toi. Faut pas que tu ailles vers les gens qui sont. Yeah. Qui vont pas être. Faut que tu changes ton entourage, là. Non, mais mes amis, c'est sûr que oh, ça ouais. Marche. Mais tes genre, amis, mais je parle des gens que tu veux fréquenter. Il va falloir que tu changes là-dessus. Parce que si c'est des gens que tu vois que tu peux pas travailler avec eux, t'es juste comme vague. Ouais. Oui, des fois, c'est... Moi aussi, là, des fois, les gens sont comme, qu'est-ce que attract eye candy, mais là, après ça, t'apprends la t'apprends connaître la personne, puis t'es comme, ouais, non, finalement... Ben mais il y en a qui forcent, hein? Même si tu dis que ça marche pas, puis it's okay, c'est comme, non... Bro, it's not that deep. Like, there's other pussy in the street. Like, ben oui. C'est pour le trophée. Ouais, mais tu t'es regardé, trophée. Non, mais tu t'es vu quand même, là. Si, là, mais quand je suis pas un trophée, je suis pas un objet, là. Comme, c'est correct, là, ça marche pas, on peut rester amis, là. Mais si tu veux pas, c'est chill, je comprends aussi, là. Ça, c'est vrai, c'est pas obligé. C'est juste, pour... quand ça force, ça moi, ça me frustre, là. Je suis comme, bro, c'est pas la fin, on... c'est pas la fin du monde, là. Le seul endroit où je veux forcer, c'est aux toilettes. Ouais, y'a moi avec, là, j'ai pas envie de forcer nulle part d'autre. La porte ouverte et tout, là. La porte ouverte. Avec l'odeur. Ouais, le pétille, ouais. Là. Regarde, bébé, ça sent l'amour. C'est pire que sur mon cœur. Ok, mais pour revenir un peu au courrier du cœur, yes. Moi, un petit conseil que j'aurais à donner à la demoiselle, ce serait prendre une pause. Yeah. Genre, take a minute là, to be alone. Là. Yeah, parce que j'ai l'impression que genre, c'est le genre de personne qui est jamais single. Yep. Yeah, non, mais ouais. C'est one after the other, on dirait. Là. C'est comme s'il y a une roue là, puis ça tourne. Là. Mais là, il faut que la roue arrête un petit peu. Là. Ah oui, prends une pause. Genre, j'ai l'impression que tu sais pas c'est quoi ta flavor de crème glacée préférée. Exactly. Genre, exactement. Elle, ben, c'est correct qu'elle découvre, là, mais un peu plus. Mais ça, c'est un peu être, comme être gourmande, là. Comme, ouais. Calme-toi, là. Genre, moi, je veux tous les pénis. Exactement. Je veux tous les goûter. All the flavors. All the shape, all the size, they're mine. C'est comme un peu des Pokémon. Ben oui. Regarde, un dick desk. Dick desk. Fait qu'à chaque fois qu'une de ses amies vient la voir pour dire comment qui est ce gars-là, elle ouvre son bonnet d'ex. Puis elle est comme... Ouais, lui, il est comme bendé vers le haut. C'est, aussi. Comme c'est vraiment bon pour le spot. Tu te places comme ça. Non, parce que pour de vrai, c'est rendu catch them all, là, c'est ça. Là. Oh c'est non, rendu mais... Que... Ouais, non, mais girl, you need to... Break. Ben oui, ça, c'est un there's peu comme... Toys. Tu sais, quand tu es dans la chasse... Puis là, tu rentres dans l'environnement de quelqu'un, puis là, tu t'adaptes pour voir comme... Ouais, t'as tes ouais. Crawl and tout. Mm-hmm. Je pense qu'elle fait un peu trop ça. Ouais, elle est rendue caméléon, là. Ouais. Mais tu penses pas que c'est... Parce que des fois, je me demande... Ben, je me... Non, j'ai juste cette réflexion-là. C'est pas nécessairement ce que je ferais, là. Mm-hmm. Mais genre juste... Pour moi, ce serait tellement facile de genre juste faker une personnalité juste pour avoir quelqu'un. Ouais, ben oui. C'est facile. C'est pas difficile. Ouais, c'est ça. Tout le monde peut le faire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas difficile.
Mais c'est whack, là. Mais c'est ça l'affaire. C'est... Mais c'est ça. Parce que tu veux quelqu'un qui t'aime pour toi c'est... et pour ouais, mais c'est selfish quand tu fakes. Parce que là, tu forces encore. Là. Mettons, je te dis, moi, j'aime. Ah, ouais, moi aussi, je suis comme ça. OK. Puis le gars, il est pas comme ça à DN, là. C'est ouais, les moi aussi, ça m'énerve. Moi, oh, yo, moi, ça me te lève. Je dirais, je suis comme quoi, moi aussi. J'aime ça avoir un débat avec quelqu'un. Ah, j'aime la friction. Okay. C'est comme, ouais, moi aussi, je suis comme ça. J'aime ça quand t'as. Moi, j'aime ça. Toi, t'aimes ça. Puis fuck it. Moi, je vais être d'accord, là. Mais moi, j'aime vraiment comme chercher, ben, comme creuser ce que la personne aime, genre. Comme genre, je vais te poser plein de questions. Puis si j'ai des mots aussi, je vais checker. Mais admettons, tu me parles de quoi que je connais pas, je vais juste aller googler. Oui, vite, ouais, vite. Genre, juste savoir de quoi tu parles. Ah oui, ouais, tu es capable de suivre. Puis admettons, t'écoutes une émission que j'écoute pas, genre, je vais peut-être regarder deux, trois émissions juste to know, genre, what it is. Je vais peut-être pas aimer ça, mais genre, au moins, je suis en courant. Moi aussi, j'aime pas ça, je vais tellement te dire, yo, toi, il est trash. Ben oui. Pas vous mentir, pas vous mentir. Des fois, si tu m'intéresses, je regarde ce que tu fais, puis j'ai essayé de me familiariser moi avec. Comme... Le sport, j'apprends du sport, moi. Ouais! J'ai regardé la Coupe du Monde, là, la finale, mais j'étais vraiment dedans. I really love soccer, par contre. Le hockey could never make me scream like that. OK, people, right now. Là. Ils sont pas contents, man. Non, mais yo, j'étais tellement... La finale était tellement intense, bro. Non, c'était le fun à regarder. C'est parce que tu regardes le hockey, tu comprends rien, c'est pour ça. Ouais, non, je comprends rien, le hockey, ouais, mais je trouve pas... Oui. J'aime pas ça. Moi, perso, le hockey, je préfère ça que le soccer. Je trouve que le soccer, il y a pas assez de buts. Je trouve, admettons, le basket, il y en a trop. Je trouve le hockey, c'est le parfait sport parce qu'il y a le bon nombre de goals à chaque game, mettons. Je peux comprendre. Moi, la fois, c'est que j'écoute les trois, puis je les aime... Pour trois différentes raisons. Ouais, exactement. Ouais, mais je peux comprendre exactement ton point, ouais. Je peux comprendre ton point aussi. Parce que des fois, les matchs de soccer me tapent sous les nerfs, c'est exactement pour ça. Je suis comme. J'ai pas comme. C'est long. Arrêter ma journée, puis il n'y a rien qui se passe, tout le monde est là, ça dépasse. Je m'en vais, là. Tu vois, moi, je me lève, je. Bye. La même chose avec le basket. Comment tu finis le match 300 points, les deux équipes, 150 points? Comme ça, on joue de défense, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est ça que j'aime, là, qui c'est tête de l'assaut, ok? Mais là, OK, qu'est-ce qui me pète pif, c'est que des fois, je suis juste comme, OK, pourquoi t'es obligé de rentrer dans le gars comme ça? Comme, calme-toi. Là. Mais c'est ça, la beauté du sport. C'est la masculinité virile. Le virile avec le toxic masculinity. Oh, ouais, non, mais dernière invité qu'on a reçue, genre, elle m'a posé ça comme question, puis j'avais pas trop quoi répondre. C'est comme, c'est quoi le moment où tu te sens le plus masculin? Oh. Puis honnêtement, genre, moi, personnellement, hors du lit, j'ai pas vraiment de moment où je me trouve masculin plus que d'autres choses. Je me sens toujours homme, that's it. Ouais, c'est ça. Comme... Genre, même s'il y a des trucs que je fais qui sont considérés plus féminines, mais oui, on a tout un je me considère quand même... Je suis un homme, fait que je l'ai... Non, c'est ça, la force... Je fais juste vivre ma vie d'homme, en fait. C'est ça, t'as... C'est ça, je me lève pas le matin en me disant... I'm an alpha male. Non, non. Je suis comme, je me lève, puis je suis un gars, comme... That's it. Moi, je suis là, ouais... I'm a woman! I can relate. Non, mais j'aurais pas compris la question, pour de vrai. Non, mais je la comprends, mais c'est juste que je rentre pas nécessairement dans les gender roles en général. Exactement. Non, mais on est chacun nos trucs, là, chacun notre définition de... Ouais. Mais c'est ça l'affaire, j'ai pas de problème à... Moi, à vrai dire, je suis quelqu'un que j'aime ça acquérir des skills, peu importe dans quelle sphère qu'il se trouve. Comme. Le plus que je sais faire, le mieux que je me sens, ouais. À l'habitude. Comme. So, je vois pas, j'ai jamais vu ça, c'est la job de l'homme, ça, c'est la job de la femme, mais comme uniquement. Ouais. J'ai juste vu que ça, c'était mainly men, mainly women, mais c'était interchangeable. Oui. Comme ça, j'ai toujours vu. Parce que ma mère me l'a toujours montré de même. Ma mère n'a jamais accepté qu'on était à la maison, puis c'était comme, oh, ça, c'est les filles. Elle n'a jamais accepté ça. Gender roles, elle est toujours comme, t'as une maison, c'est ta responsabilité. Ouais, c'est ça, ouais. La responsabilité de ta maison, c'est cleaning, faire de la bouffe, faire tes affaires. Alors, t'as pas besoin de quelqu'un de faire pour toi. Oh, that's right. Yo, j'ai tellement appris jeune à faire ma lessive. Yo, je frottais la main, man. Quand je... Ah ouais! Yo, oh. Je frottais la main parce que ma maman, ce moment, elle était comme, you gotta learn. Learn a day. Comme parce qu'on utilisait trop la laveuse, comme si c'était rien. Électricité, là. Tu vas voir pour, d'où ça vient. PTSD, là. PTSD, maintenant, je comprends. Regarde, faut que tu mettes bien tes linges, faut pas que tu débordes la laveuse parce que yo, t'as pas envie de frotter à la même. Yo. Don't want to do this. But you learn.
Ouais. Puis maintenant, si j'ai pas de laveuse, je suis pas dans la merde. Je peux me débrouiller. Smart thing. Yo, toi, t'es prêt pour l'apocalypse. Mais t'as vu, je suis toujours ready pour whatever. C'est vrai, t'es toujours ready pour... Attends, t'es-tu un peu survivaliste? Ouais, yeah, j'ai des tendances survivalistes, exactement. Attends, t'as-tu genre quoi, comme 15 000 cannes chez vous, là? Non, parce que j'ai un problème avec la bouffe en canne, comme. Ça me donne des réactions. OK. J'ai pas encore trouvé quel élément là-dedans qui me foquait. Ben, l'agent de conservation, sûrement. Ouais, sûrement les agents de conservation. Mais je préfère comme... Présentement, je suis en train de magasiner un livre sur les herbes, comme les différents types d'herbes. Mm. Puis... Non, ça, c'est intéressant. Moi aussi, je vais apprendre les herbes. Pour les fumer, quoi. Il y a ça. There's this, parce que there's drugs. But même mais, si pour faire des, je sais pas, les remèdes, ouais. Mm-hmm. Exemple, si quelque chose arrive, au moins, mm-hmm. je sais que je peux me nourrir, je peux me soigner. Voilà. Je trouve ça important. Tu crois que tu t'es acheté un bunker, là, et... ou une là, cabane, là? Je vais habiter loin de la ville. C'est pas pour rien. Dans la forêt. Non, mais tu sais, je veux un gros terrain, puis... Ouais. Si j'ai l'occasion de bâtir un bunker, yeah, je le fais. Just for the thrill of it. On va chiller dedans, là, yo. Oh, ben ouais, hotbox. Hotbox dans le bunker. Yo, vous allez tout étouffer, là. Vous allez tout mourir dans le bunker. On va faire comme le film des 6 Diane avec Seth Rogen. Ben oui. Ce que je peux dire, c'est que si la fête du monde, vous venez avec nous, vous devez fumer, man. Ah non, vous allez être high anyway. Ça va être hotbox. High anyway. Mais on va savoir comment survivre. J'ai plein de skills de survival, so... On va avoir des moments de thérapie. Ouais. Attends, mais sais-tu chasser, le bail comme ça? Ça, c'est mon next step. OK. Je dois aller faire mon permis de chasse. Mm. OK, attends. Non, moi, je fais pas puis, ça. Puis, il y a aussi, je vais apprendre aussi à faire tirer avec... un arc. Un arc. Oh, ouais. Ça, c'est... Oh, ça va faire fou, mais je ne connais pas les animaux, là. Yeah, j'avoue, j'ai cette boundaries-là. Ah, tu serais pas capable de tuer un animal? C'est pas quelque chose de facile à faire, hein? Non, j'ai... Gens, moi je pense tuer, c'est facile, mais c'est comme commencer à skin, à genre éventrer, à vider le sang. Ça, pour moi, c'est chill. Ça... Ah ouais? Ce serait la partie, je trouverais ça plus dégueulasse. C'est parce que... Peut-être parce que j'écoute... Je suis trop quelqu'un qui est comme des principes et des rituels. Ouais, ouais. Je believe là-dedans. Mm-hmm. C'est fou que tu regardes l'animal dans les yeux quand tu prends son âme. Comme... Okay. C'est quand ouais. C'est comme ça que je le vois, tu peux pas... Ben, je pense qu'il y aurait une différence pour moi, genre, mettons, je le tire, puis je l'ai tué one shot, puis genre... Versus, genre, je l'ai tiré, il est pas mort, donc il faut que je le retue non. encore. C'est ça qui me fait attends, peur. Attends, actually, j'ai dû faire ça pour des souris. J'avais des souris chez nous, puis j'avais acheté un piège collant au lieu d'acheter un piège où je pouvais les relâcher et tout. Non, c'est ça, ils peuvent pas bouger, puis ils crient leur vie, là. Ils crient leur vie, là. J'ai comme essayé de prendre un balai, les tuer. Oh, non, ça a pas marché. À un moment donné, vraiment sans faire exprès. Fait que là, je prends mon bac de recyclage, je suis comme... OK. Oh non, les souris! Je vais donner une technique. Non, il faut acheter les pièges où tu les trappes et tu les relâches. Arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un sac de plastique, tu le mets par-dessus, tu prends un marteau, tu trouves le crâne et puis tu donnes un coup. No, I'm not touching that shit. C'est fini. Non, mais au moins, tu ne fais pas souffrir. Mais moi, je fais ma prière. Quand j'ai fini, là, je suis comme, OK, sorry. Pas! OK, moi, je suis un chat, that's it. Mon chat, il est fucking cute. Parce que quand j'avais des souris, quand j'habitais avec mon ex, là, il y avait des souris. Puis j'étais en Halloween, j'étais en FaceTime avec... C'était en 2020, là, j'étais en FaceTime avec mes amis. Puis là, je vois quelque chose vraiment envie de faire comme ça de même. Là, je suis comme, quête, what the fuck? Là, je crie, Maëla! Et mon chat était déjà dans la cuisine, déjà en train de check la souris. J'étais comme, what the fuck, depuis quand qu'il est là? Yo, maintenant, ouvrir le tiroir en dessous du four, il a pris la souris, puis il voulait me la donner. Là, il était comme ça. Ben oui. Il était tout fier. Il était tout fier, mais yo, il a joué avec. Les chats, c'est méchant, man. Ouais. Il passe le dernier espoir de la souris. Ben oui, ils sont savages avec. Là. Oh, ben c'était fun à regarder, mais. C'était dégueulasse, les petites souris, elles faisaient pitié. Non. Moi, j'ai trois personnes dans mon bloc, OK, puis aucun de ces trois. Ben, trois personnes qui ont des chats, puis aucun des chats les a attrapés. Qu'elles sont wack. Ouais, vraiment. En ce moment, ils ont dégriffé, peut-être. Hein? Ah, peut-être. Ah, dès qu'ils perdent leurs griffes, là, leur niveau de. Sauf. Non, moi, lui, c'est griffes. Comme ma chatte qu'on avait quand on était plus jeune, on l'avait laissée pour un bon moment avec tous ces trucs, puis elle était A1. Il n'y a pas une souris qui allait survivre. Dès que ma soeur l'a dégriffée, là, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Ouais, je ne sais même pas, elle a perdu ses griffes, elle est devenue obèse. Ah ouais. Oh, bah oui, dépression. Elle était dépression. Ah ouais, peut-être. Elle était dépression. Bah oui, elle était devenue obèse. Elle avait un gros ventre. Oh,
hot en dépression, là, comme un pauvre diable. Ben oui, ça m'a fait mal. Père son âme, man. Bon, bien, ma chatte. Sur ce, pour courrier du cœur anonyme, vends thérapie ou. Et ou si t'es pas encore prêt d'aller en thérapie, je fais juste prendre du temps pour toi-même. Yeah. Ouais, fait que juste faire apprendre à traiter tes couvrir, faire des activités tout seul, faire des activités tout seul. Je sais que c'est pas facile parce que même moi j'ai de la misère à faire des activités tout seul. Oh. Mais non, mais j'aime juste pas ça. Ah, oh, ok. Moi aussi j'aime pas ça. Moi j'aime ça. J'aime vraiment pas ça faire des activités tout seul. Ah ouais. J'aime les trucs que je fais tout seul, mais en général je préfère avec moi. Avec moi. Ouais. Ouais. Moi les deux ça me dérange pas. Mm. Ben mettons admettons j'ai plein d'idées de dates là. Que je pourrais faire seul, mais j'attends juste de le faire avec quelqu'un. Ben oui, oui. Ouais. Ça va pas aller tout seul. Non, 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 mais il y a des trucs que je pourrais faire tout seul, genre aller, genre, mettons, lancer de la hache ou genre tirer du gun. C'est des affaires que tu peux faire à deux. Mais tu peux faire ça aussi tout seul, mais je préférerais d'attendre de force avec quelqu'un de spécial. Okay. Non, mais pour la hache et le gun, vas-y avant tout seul. Au moins, pour pas avoir l'air de noob. Hey. Pour avoir l'air de noob, là, puis toi, la fille, la wapa, wapa. Puis toi, t'es comme wapa. J'ai de l'air de bon bêta pour elle. Bêta! Ça va là de J. Cole quand Summer Walker n'arrêtait pas de lancer les paliers. Mais oui. Mais oui, alors je te dirais au moins, vas-y au moins une fois tout seul, juste pour te donner une petite chance. Mais sérieux, genre, comme je suis pas quelqu'un de sportif, mais on dirait que dans ma vie d'adulte, je me suis développé un corps de. Mm. Ben, pas un corps de sportif, mais des skills de sportif. C'est bon. Genre, mettons, on est allé faire. Comme du baseball à l'intérieur. Mmh. Ouais, genre frapper de la balle, ouais, basically. Ben, j'ai une amie qui fait de la softball l'été. Puis j'étais quand même assez bon. Là. J'ai comme frappé toutes mes balles. Yeah. Mais je suis pas. Coordination. Mais actually, pas vraiment. Ah, moi, mais coordination, œil. Ouais, ouais. Mais and dans la vraie vie, non. Tu aimes beaucoup? Même pas. Même non. Quand même précisément. Mais non. Fait, ouais. Parce que frapper une balle de baseball, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Le monde voit ça comme si c'est easy. Non. Là. It's not easy. Ben, ça allait pas vite non plus. Là. Oh, OK. Ouais. C'est pas les 90, mais là. Non. Ben, j'aurais peut-être dû essayer aussi, là. Mais ben oui, peut-être t'aurais dû voir. Ouais. Mais mettons, bowling, je suis pas pire non plus. Oh, moi, je suis pourri. Ouais, moi, je suis pas... Yo. Pourri. Yo, en plus, je suis quelqu'un qui est agile, puis j'ai... Agathe, yo, le bowling, c'est mon weakness. J'ai pas gagné une game de bowling à date. Jamais. Regardez là, je sais pas, ils vont essayer de me donner des instructions. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ma main, man. Mais quand je prends la balle là, il y a une rage là. Puis je suis comme, c'est plus fort que moi. Ça, ça va trop vite. OK, fait que toi, les genres de dates, justement, coordination œil, mais non, c'est pas... À part le bowling. Bowling, non. OK, OK. Bowling, je vais me faire péter. Comme... Oh, Seigneur. Mon estime vient très low quand ça vient le bowling. On va jouer au bowling, je suis... Oh, shit. Yeah. Finir dernier, ils vont me roast. OK, mais c'est quoi le ideal first date pour toi, mettons? Moi, je suis fanatique de basket. Puis j'ai toujours voulu avoir une date love and basketball. We play basketball, we sweat, and then we fuck. Sans prendre sa douche, s'il vous plaît. Exactement, sans prendre tu la bouche. Tout, tu comprends tout. For the flavor, parce que c'est... On dit déjà... Bon, je joue au basket avec toi, j'ai déjà pris tout ton sweat dans ma gueule. Là. Pourquoi oh wash après maintenant, pourquoi qu'on... Oh yo. Wash. Hypocrite, là. C'est pas la même soir, le booty crack, puis la soir de femme. Ah. It's even better. It's better. C'est concentré. The booty all brown with some juice. Concentré. Tu peux le diluer avec un peu d'eau. Mais l'eau arrive l'autre bord. Oh. Mm. Yeah, natural okay. Water. Yeah. Mais pour de vrai, une date sportive, c'est pas tant pire. Là. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'ai bah, déjà... As a first date, je sais pas, là, mais... Comme first date, non, ça, j'ai jamais eu comme first date. J'ai déjà eu comme une fois qu'on s'est... What? And then we play ouais, basketball ouais. Together. Mais j'ai jamais eu le basketball that we fuck parce que souvent t'es dans des gyms publics. Ah ouais. J'ai pas encore le cop du love and basketball, you know, vous louez le gym au complet pour moi. Juste pour la date. Just the fuck on the floor. Exactement. Ah oui, c'est quelque chose que j'aime bien le sport, moi. Les dates sportives ou les affaires un peu plus comme intellectuelles. Aller voir quelque chose comme aller au musée ou aller voir un artiste. Mais pas un artiste populaire, aller voir un artiste qui est un peu comme plus... Underground. Underground, puis... And then talk about it. Mm-hmm. Parce que j'aime beaucoup parler. Mais à part de ça, ouais, c'est plus... Toi, Pamela, c'est quoi ton genre de... C'est ça, je suis en train de penser, je suis comme, qu'est-ce, j'ai jamais pensé à ça, en fait.
mon idéal date? Ben moi, pour de vrai, j'en ai quelques-unes. Là. J'ai, ben, obviously, le park date, là. OK, attends. Bench? Attends. L'affaire, OK, avec le banc de parc, OK? Je suis vieux, OK? Mes genoux sont pétés. Rester assis à terre pendant des heures, c'est pas tant nice. C'est beaucoup plus confortable d'être assis sur un banc de parc, honnêtement. Puis je l'ai déjà fait plusieurs fois, là. C'est non, pas... T'as raison d'être assis sur le banc de parc, mais tu peux venir avec tes propres chaises aussi. Ouais. Ça fait plus, comme... Moi, je suis vraiment zuzu. Par rapport à ça, je suis zuzu, comme, je suis vraiment comme, OK, je veux pas m'asseoir sur ce genre de banc-là, comme. OK, non, tu t'assois juste jamais sur les bancs de parc? J'aime vraiment pas ça. Je m'assois sur le top. Je m'assois sur le top du banc. Non, je comprends. Oh. Je suis hood, mais j'ai un côté un peu comme bougie qui mais vient. Si c'est comme un ideal date, ce serait aller au ciné-parc. Je trouve ça nice. C'est vrai, c'est cute. So you need a nigga with a car. Yeah, I'll be a passenger princess. Moi, je me fuck. Ouais, non, j'assume. J'adore. Hey, yo, mon cours de conduite, je suis retournée faire mon cours de conduite. Puis, comme, qu'est-ce que tu fais? Je m'en allais embarquer dans le passager. Non. Ouais, comme, qu'est-ce que tu fais? Comme, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, oh yo, c'est vrai. J'ai dit, je suis trop habituée d'une passenger princess. Il a pas compris le monsieur, là, mais c'est pas grave. Moi aussi, je suis comme ça. Je dis des expressions, puis ils me comprennent pas. Je regarde dead ass, comme si, you're gonna get it. Mais ouais, non, moi, je suis une passenger princess assumée, puis j'aime ça mettre la musique puis donner les mauvaises directions, parce que je me mélange tout le temps avec ma gauche et ma droite. Wow. Mais tu sais avec qui t'embarques quand je suis là. Yo, une fois, j'étais avec Voldemort, OK? Je vois qu'elle s'est juste trompée de sortie. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais? Mais elle aimait vraiment pas ça que je lui dise quoi faire quand quelqu'un disait. Ben là... Okay. Fait qu'elle a fait, comme, elle a vraiment fait exprès de genre juste prendre le détour pour pas que je lui dise quoi faire. Genre. Comme je la vois, je suis comme, oh, mais tu sais que tu peux passer là pour aller plus vite chez toi. Elle fait, arrête de me dire quoi faire quand je conduis. Puis elle a fait exprès de faire un gros détour. Comme elle a pris au moins 4, 5, 6 lumières de plus juste pour pas. Son orgueil est trop fort. L'orgueil était gros, là. L'orgueil était waouh. 6 pieds 7, l'orgueil, là. Ben oui. 7 pieds 1. Ouais. Tu dois climb l'affaire. Comment t'as gaspillé du gaz juste pour prouver un point? Yo, non, ça, c'est enragé. Comment que, genre, tu veux trop avoir raison? Voilà, si t'as raison, bro. Puis le pire, c'est comme, oh, mais tu vas où? Parce que, tu sais, des fois, non, parce que des fois... J'étais comme, ah, ben ça, c'est le chemin pour aller à Louisiana. Yeah. Fait que peut-être qu'elle va à Louisiana. Non, c'est vraiment juste, non, juste pour dire... prove a point. Je suis comme, OK. Tu dis, c'est là que j'allais passer. So what? Non. Sors de ma voiture. Mais j'avoue aussi, j'ai déjà été avec une fille qui était aussi têtue que ça, man. Tellement un moment où j'ai flippé, je suis sorti de la voiture, man. On était juste à l'entrée de l'autoroute, en plus. Je suis sorti, j'ai juste cross. Oh. Je suis comme, fuck you, bitch, I'm out. Oh. En plus, il pleuvait. Ça faisait très vidéoclip. Puis là, elle roulait à côté, puis c'est comme un bac. Puis je suis comme, non. I'm done with your shit. Il manquait juste le camera crew, puis comme, cut. Quand j'y pense, c'était wild, man. J'ai vraiment cross. J'ai fait ça avec un Uber, mon site. Mais elle m'a fait flip, pour le vrai. Non, comme, mais parce j'imagine. Parce que quelqu'un qui a une tête dure, des fois, de même. Ah, oh, you comme... bag. J'ai dit, non, ouais. C'est comme si j'ai dit, je préfère mourir. Ça, j'ai dit. J'ai littéralement dit ça. Ouh, thank God, ma mère a pris beaucoup, man. Okay. Yo. Mon jardin est lit. Yo. Mon jardin est vraiment lit, by the way. Sur ce, pour envoyer vos courriers du cœur, envoyez au d'amour et de sexe podcast@gmail.com. Sur l'Instagram de d'amour et de sexe, sur son mon Instagram, jus d'expérience. Ou sur Twitter, DM, DAEDS13BA Podcast, ou sur TikTok, d'amour et de sexe. Fait qu'on va passer aux confessions anonymes. Ça fait que ça, c'est des confessions que les gens nous envoient. Il n'y a pas vraiment de questions. C'est juste réagir aux expériences fucked up des gens. Fait qu'est-ce que vous pouvez lire les premiers. Ben, les deux, c'est ici. Là. Ici, là? Ouais. OK, tu veux lire en premier ou tu veux lire? Tu peux aller, là, c'est encore le petit stress. OK. Un gars est tombé amoureux de moi. Je ne l'aime pas. Okay. Il m'aide à passer mon temps et me fait sentir bien. Désirable, tough. Aimé, joli, etc. C'est selfish, mais je ne veux pas le laisser aller. Si je commence à parler, là... Let it out. Let it out. That's why I don't befriend women. That's why I don't befriend women. Non, c'est non, très... Non, ça dépend. Là. C'est très... Surtout, yeah. Non... Elle devrait le dire qu'elle n'est pas intéressée. Puis là, si le gars continue à faire son susu, là, ben là, c'est son problème, tu comprends? Parce que là, tu lui le dis, puis il continue. Oui. Puis si ça te fait sentir bien, mais que tu ne le vois pas le voir, tu ne fais pas faux espoirs. Écoute.
quand un gars dit à une fille, moi, je veux rien de sérieux, la fille ne le croit pas. Fait que, attends. Okay. Fait que c'est tout le temps, souvent, là, le discours, c'est genre, mais pourquoi le gars ne me laisse pas tranquille? Okay. Fait que, genre, c'est comme, le gars t'a dit qu'est-ce qu'il voulait, mais c'est aussi à lui de te laisser tranquille. Fait que c'est comme un peu comme non, ça non, que non. Je le vois aussi. Mais est-ce que, ben, c'est sûr qu'il a dit qu'il voulait pas te... Un gars est tombé amoureux de moi, je ne l'aime pas. Elle l'aime pas, mais... Si, admettons, elle voit que le gars veut plus que qu'est-ce qu'elle a offert, c'est aussi à elle de laisser partir. Mais non, mais ça, elle le sait pas, aussi, si tu vois que le gars n'est pas capable, elle aussi, elle devrait, mais comme je te disais, elle sait que c'est selfish. C'est juste vraiment égoïste, pour vrai, c'est pas correct. C'est pas genre Elle le sait. Puis le karma's gonna get you, c'est ça qui est wack. Ah, des fois, là, moi, je me dis, les méchants gagnent. Non, plus t'attends, plus t'attends, plus c'est raide. C'est peut-être le gars qu'elle va trouver, qu'elle va vraiment fall for him, puis qu'il va lui donner beaucoup, puis ça fait 5 ans de son affaire qu'elle a fait. Le bill était dû. Mais là, c'est ça l'affaire. Le truc, c'est que, à vrai dire, il y a des gars, là, que même si que tu leur dises « I don't want you », ils vont still te donner... Ah non, mais faut que tu les bloques. Non, mais si elle aime l'attention, elle aime l'attention qu'elle reçoit. Si t'es clair, tu dis « I don't want you », puis que tout ce que tu fais comme attention, ça va pas aboutir à quelque chose, s'il continue... Oui, d'assommer. Ça c'est correct. I get it. Yeah. Si c'est ça, c'est juste que je trouve qu'il y a le manque d'honnêteté. Il y a un manque d'honnêteté parce que le gars, il est amoureux, puis c'est sûr qu'il sait pas que. Parce qu'elle, elle va le garder. Mais moi, je pense qu'elle est sous bluff. Puis même si c'est confession anonyme, je pense qu'elle dit. Il m'aide à passer mon temps. Je pense qu'elle est en train de l'assoul, comme si... Des bons... Omar, à la cotonnette. En train de faire des bons snaps, jamais la face du panier. Exactement, des gros steaks. Même pas ses mains. Même pas son assiette, là. Juste son assiette à elle. Des bons des voyages. Yo, be true. Does he eat your pussy? Elle est sous bluff. Je pense qu'elle a un autre partenaire pour ça. Yeah. Ah, peut-être, ben ça se peut qu'elle ait deux, là. Je pense qu'il y a du bread. Je pense que le gars est loup. C'est Merco, c'est BMW, c'est Audi, c'est Audi. Bardo, le monde a ses amis, les Snapchat sont lit. C'est ça, mais on va jamais... Snapchat sont lit. Elles sont frites. Yo, how you do it, girl? You know, I'm a businesswoman. I'm doing me. Entrepreneur. Yo, c'est la version, c'est la portion Fresh and Fit du podcast, OK? Fuck these women, OK? Concentrez-vous sur vous, kings. Ces filles veulent juste vous utiliser, to be honest. Non, mais c'est pas juste utiliser, genre, question monétaire. Genre, c'est clairement, genre, l'utiliser, genre, émotionnellement. Ouais, non, c'est émotionnellement parce qu'elle a dit vraiment me faire sentir désirée, aimée, jolie. Mais girl, that's your job to do, to feel like that by yourself, too. Exactement. Elle a un problème d'estime d'elle. Elle a un problème d'estime d'elle. Parce que je disais ça la semaine passée aussi, genre... Les filles, tu sais, comme les filles n'aiment pas se faire utiliser sexuellement parce qu'elles sentent qu'elles sont des objets. Mais là, c'est émotif. Oui, mais attends, mais pour les gars, je pense que c'est aussi pire de sentir comme un objet émotif. C'est comme si tu étais genre, comme un toutou, genre une doudou. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'elle manque d'estime. Girl, you're supposed to te sentir désirable, aimé, joli. Si tu te vois pas, puis tu n'es pas capable de ressentir du désir pour toi, work on yourself. Puis anyway, ce sera jamais assez, même si t'en as 10 qui disent la même chose. If you don't feel like it, if you don't feel it in your inner soul, Yo, fuck the princess treatment, OK? Là, si tu vois une fille qui veut un princess treatment, kick her out the door, nigga. Ben moi, j'aime ça, le princess treatment, mais je suis réciproque avec mon partenaire. Non, mais l'affaire, c'est que... OK, mon affaire avec le princess treatment, OK, c'est que, genre, tu peux pas avoir ça from the get. Okay, il faut que ça se mérite un peu, genre. Ben non, pas un peu. Il faut que ça se mérite. Yeah, je trouve ça... Puis aussi, là, OK, les gens, OK, princess treatment, bye. Les princesses sont des duties, OK? Puis genre, quand même. Non, they got to kiss babies, they got to cut ribbons, you know what I'm saying? Qu'est-ce que vous faites, vous, mesdames, qui veulent le princess treatment? Rien pour tout, OK? So they have to start kissing babies. Tu allais inaugurer des duties. Preparing yourself to be a wife. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Quand tu as dit que c'est quelque chose qui se mérite, oui. Je suis d'accord avec ça. Je trouve pas que... À moins que le gars, c'est son vibe de traiter les femmes comme des princesses for free. Des gars. Si c'est ça ton vibe, je respecte ça aussi. Si c'est ça ton game, c'est ça ton vibe, I respect it too. Mais aussi pour moi, dans mon livre, à moi, c'est pas quelque chose que je vais donner out of the door. Parce que genre, pour de vrai, si tu veux être traité comme une princesse, je vais être traité comme une princesse aussi. C'est...
ça sonne comme si je veux le, moi, je vais traiter comme une bitch là, mais genre comme c'est ça que Karen aime dire. Non, mais moi aussi je suis dans le bail 50-50 là. Moi si tu me traites bien, mais je vais avoir envie de te traiter bien anyway. Mais moi je vais pas être traité comme, je vais pas être traité back comme une princesse. Non, moi mais... je suis plus quelqu'un de rough aussi. On me verrait plus comme un chevalier, comme. Ben, je fais juste, ça, là, juste m'envoyer à l'étude du roi, monde. Un roi. Give me work! Ok, l'affaire masculin, le roi. Ben oui, donne-moi quelque chose de masculin à faire. I don't care about gender roles. Non, effectivement, mais moi, je suis plus comme... Ouais, je comprends. 50-50, là, si tu vas bien te traiter, tu vas mieux me traiter, il n'y a pas de... Moi, as a man. Mais moi, je vois plus 100% every portion. Ça. OK, ça, c'est les gens qui sont pas bons en maths qui disent ça. Okay. Mais non, j'ai mieux qu'en maths. Moi, je suis pas bonne en maths. Non, c'est parce que l'affaire à la fin de la journée, moi, quand je vois un team... Tu veux 200%. Exactement, mm-hmm. Parce que j'ai la capacité de l'avoir. Parce que j'ai deux personnes. Ça donne 100% quand même. Exactement. Mais le rendement, mon rendement puis mon efficacité est à 200%, malgré que mon résultat reste à 100%. So, je vais là où je veux aller plus vite. Ça, je te dis. Si tout le monde donne c'est son plus maximum, comme des chevaux vapeur, plus que comme des mathématiques, ton affaire. Non, c'est que je t'explique que si je suis deux personnes qui travaillent à 100%, mm-hmm. je vais atteindre notre résultat commun. Okay, on va arriver plus vite. Okay, tout le monde fait okay. Mais si toi, tu donnes 50, moi, je donne 50, non. On va arriver plus lentement, là, on doit aller. Puis c'est pas une question d'arriver la plus vite. Non, mais c'est juste pas comme ça. C'est juste pas les mêmes. Je vois la même chose que toi, mais c'est juste mes chiffres sont pas les mêmes. Non, exactement. Puis c'est pour ça que j'aime pas le « oh, moi, je fais 50 ou whatever ». La seule manière que je split ce pourcentage-là, c'est quand ça vient à des tâches spécifiques. Ouais. Autrement, si je suis ma personne, je te donne 100%. Oui. My person as a whole, you get it 100%. OK, mais pourquoi moi, je dis 50%? C'est que genre, la relation, c'est 100. Mm-hmm. Comme c'est ça les maths. Là. Okay. Genre, la relation, c'est 100, puis moi, je vais donner 50% de la relation. Je vais pas commencer à donner 55-60% de la relation, toi, tu vas juste donner 40. C'est ouais, plus, non, c'est plus ça. C'est comme ça que tu le vois. C'est okay, c'est ça. Non, c'est ça. Mais ça revient au même. Oui, c'est ça revient au même. On parle tout de la même chose. Mais c'est que, quand moi, je viens d'un environnement très sportif, quand quelqu'un me dit qu'il va me donner 50%, je suis comme, tu vas me donner la moitié de tes efforts. Oui. Tu comprends? Oui, c'est comme ça que ça mais sonne dans c'est ma juste, tête. Ouais. C'est mais pour moi, ça je que vois, j'aime pas les 50%. C'est ça, mais moi, je le vois juste la façon mathématique. Là. Je veux dire, moi, je vais être comme ça. Même si j'ai donné mon 100% sur un examen, si j'ai juste 60, j'ai juste 60. Là, c'est... Yo! It is what it is. OK, prochaine confession anonyme. Tu y vas ou... OK. Attends, j'allais devant le micro parce que tantôt, j'étais l'autre part. Je suis tombée amoureuse d'un de mes amis et c'est réciproque. Entre-temps, il a mis son ex enceinte. Il s'est remis avec elle, ouch, pour faire la bonne chose. Non, ça, c'est peut-être en bas, bro. Mais il est misérable et je sais qu'il voudrait être avec moi. Nous avons hook up une fois. Qu'est-ce que c'est dead, là? Il dit de cheat. OK, mais premièrement, Agathe qui a mis son ex enceinte, mais c'est pas faire la bonne chose se mettre avec elle, là, parce que l'enfant va se tout transmettre ça, là. It's not. Non, it's not. Parce que c'est pas... OK. C'est pas... L'enfant, c'est pas dans ses bonnes raisons si la personne est misérable live. Il va être encore plus misérable quand l'enfant va être arrivé, là. OK, mais ça, c'est aussi peut-être son interprétation parce qu'elle a vu le patin. C'est peut-être peut-être pas nécessairement misérable. Peut-être c'était pas son premier choix, mais... Mais en tout cas, des hook-ups, still. Non, mais en même temps, ça se peut que lui, il dit qu'il est misérable juste pour vous copier avec elle. Ouais, ça se peut. Tu comprends? Il est comme, yo, allô, fille, j'aurais dit que tu choisir toi. Ah, yo, je sais pas, everybody's game, man. Vous voyez, moi, je vois le monde en rose et j'ai même pas pensé à ça. Okay. Non, mais mon avis, je vois le monde en black, moi. Okay. Moi, je suis dark. Le contraste. Moi, je suis super bright, là. Non, mais effectivement, je pense pas que les deux... On va dire, il y a deux... Je trouve qu'il y a plusieurs layers. Ouais, il y a trois civilisations en un. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a déjà le gars, il faut adresser... C'est le gars qui est tout relié à ça. OK, c'est vrai, ça arrive. Tu couches avec quelqu'un... Regarde, la personne peut être allergique au latex ou toi-même, t'es allergique au latex. C'est des choses qui sont réelles, tu comprends? Oui, mais c'est son ex aussi, là. Il y a pas de chapeau, bah, et puis là, soit c'est allé. En plus, tu peux même faire une femme tomber enceinte avec le pre-com. So, ouais. So, ça peut arriver, ça peut être un accident. Ça peut arriver. Exactement. Le problème, ensuite, te mettre avec elle, parce que c'est la bonne chose à faire. Mais tu sais, je comprends un peu. Ça a l'air d'une situation, tu sais, quand... Je comprends un peu, parce que, dans le sens que, tu sais, des fois... Tu détestes pas la personne. C'est actually une bonne personne. Ok, je vois. C'est actually une bonne personne. C'est juste pas ton premier choix. Mais si cette situation-là arrive, I'll make it work. C'est pas chien. Mais c'est juste si j'ai la chance de pas avoir des. Admettons primaire. Primaire, ok, j'aurais. Elle serait tombée enceinte, je resterais avec.
Genre, c'est pas une mauvaise fille. J'aurais pas cheat. C'est juste pas mon premier choix. Okay. J'ai juste eu le choix de pas aller avec elle, mais genre, ce serait arrivé, je serais resté. Ah ben, ok, c'est comme mariage arrangé vibe, comme. Parce que moi, c'est comme ça, je le vois très souvent quand les gens restent pour un enfant. Ouais. Je le vois maintenant que t'es dans une situation de mariage arrangé, puis il est arrangé par l'enfant. Tu comprends? Alors, je trouve le mariage tourne autour de l'enfant. Là, maintenant, mon problème, c'est que oui, au niveau familial, ça peut être une bonne bulle familiale. Mm-hmm. Je suis d'accord avec ça. Ça peut être même la bulle familiale idéale. Ouais. Mais au niveau maintenant du dude, puis de son self, like, sa personne, c'est dangereux de te faire ça. Comme. Je comprends. Je crois pas que mentalement, ça va le mettre dans une bonne position. Puis l'enfant non plus. Puis l'enfant va le sentir. Il va tout absorber ça. Ben oui. Ça va, lui là, l'enfant, là, c'est son modèle de « what is love », c'est ça, une relation. Il va arriver avec une famille qui c'est pas vraiment... Il y a déjà mal commencé. Il y a cheat, là. Ils ont hook up une fois. C'est ça. C'est... Mais attends. Est-ce qu'ils ont hook up une fois avant qu'ils rentrent avec la elle fille? A dit, ou... nous a, elle a dit, parce qu'elle dit, je sais qu'il voudrait être avec moi. Nous avons au cop une fois. Ouais, mais c'est pas dit dans le temps, c'est quand. Ouais. C'était peut-être avant, c'était peut-être... Mais la façon, moi, je pense que ça... Parce qu'à cause qu'elle dit comme si elle savait qu'il voulait être avec elle, moi, je pense que c'est après. Moi, je pense que si, y a la pension aussi que peut-être si je reading too much. Peut-être. Ça se peut aussi. Puis là, elle put ses feelings sur... Ouais, parce qu'il a pas dit dans sa vive voix qu'il voudrait être avec elle. Exactement. Mm-hmm. Tu dis, je sais qu'il veut être avec moi, mais Parce qu'on a au cas. Parce c'est ça, sa raison. Si elle aurait dit, il m'a dit qu'il veut être avec moi, là, j'aurais été... Ouais, moi aussi, mais moi, c'est ce que je pense qu'ils ont fait ça après l'affaire enceinte, c'est parce qu'elle dit, comme nous avons au cas, comme si que c'est la raison, je sais qu'il va être avec moi, parce qu'il est misérable, parce qu'il veut être avec moi, parce qu'on a couché ensemble. Yeah. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est après, à cause de la raison qu'elle donne, c'est ils ont au cas. Comme si c'était ça son backup de « Ah oh ouais, je sais qu'il a envie d'être avec moi, vous êtes enceinte, puis il s'est mis avec. » Mais attends, madame, t'aurais aimé être belle-mère? Moi, non. Non, mais comme la fille dans le truc, là. Comme t'aurais aimé être belle-mère? Ouais, genre, t'as un nouveau bébé, mais il aime pas toi, basically. Comme ça aurait été ton choix? Yeah. Oh no. For a dick? T'as vraiment dit « Yeah ». For the right dick. Are you sure it's the right dick? Because he's cheating. Yo, she's elle a l'air happy. She look happy. She's... Non, elle est misérable. Non, lui est misérable. Non, elle est misérable en crise. Non, parce que t'es en train de faire... Parce que tu peux pas prendre ton plaisir avec du miserable dick, là. Non, non, mais le toxic dick is bomb. This is not toxic, this is miserable. Oui, c'est ça. Mais il est toxique parce que... Toxiques sont toujours up. They're always up. Ben c'est ça, son homme, puis reste qu'elle est enceinte. C'est pour ça qu'ils sont toxiques. C'est pour ça qu'elle est enceinte. C'est quoi la situation d'être en bas? C'est une belle situation d'être en bas, ça. Sérieusement, c'est le genre de personnes que j'aurais envie d'interviewer, comme les trois personnes. La femme enceinte, le dude, puis la side chick. Yeah, so... I want all of it. Like, parce qu'il y a plein de choses qui manquent, je trouve, qui pourraient nous permettre de read un peu mieux into the situation. Non, mais ça, c'est sûr que c'est elle. Mais je trouve que... J'ai envie de dire qu'elle est delusional. Non, she is. Wow. J'ai envie de dire qu'il y a deux. Je pense que le gars est en train de la blow mind. You la dick game est... Puis t'as raison, comme tu dis, je pense que la femme enceinte, je pense que c'est la femme avec qui est bien. Oui, ouais, c'est ça. Il est bien avec elle parce que she taking care of herself, elle prend soin du foyer, she's cooking. But she might be doing a lot of like... Ouais. Tu sais, la bulle familiale. Sorry, oh shit. Comfort zone. Comfort zone. Puis je pense qu'elle, c'est vraiment comme si, OK, le poussé est wild, là. Ouais. Pour faire wet, là, c'est bon. Yeah, j'ai déjà pris dedans. Mais attends. Si t'as juste hook up une fois, comme le gars, il t'aime pas tant que ça. Mais ça, je te dis. Non, mais une fois seulement, ça veut dire que genre, il était prêt à te laisser partir très facilement aussi. Là. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'elle est reading too much. Non, elle a le catch feeling. Puis le gars, je crois que le gars a catché que oh, t'aimes ça les gens misérables, comme t'aimes ça être. Parce qu'il y a des femmes qui aiment ça être comme « Oh, you want me more than her ». Ouais. Il y a des femmes qui aiment beaucoup ça. Là. Malheureusement, je l'ai vu beaucoup dans mon entourage en grandissant. J'ai vu beaucoup de femmes rentrer dans des situations où que « Oh, le fait qu'ils m'aiment plus qu'elles, comme « feeling better ». Delusional. Delusional. Comme pas m'a dit « for the right dick », what the fuck. Non, j'ai dit « for the dick ». For the dick, mais t'as dit ça que tu serais belle-mère « for the dick ». Non, mais tout, c'est comme « for the... » Non, mais est-ce que ça vaut la peine, là? Mais j'aurais réfléchi, vous le voyez. Si je tombe sur un bon poussi, puis je suis comme « est-ce que là, je vais devenir comme un beau-père ?» Moi, ça va. Je réfléchis. Écoute, moi, là, j'ai vu... Ben, attends, au dynastie, là, j'ai vu plein de femmes que je sais qu'elles sont mères, puis que genre, je serais fucking down.
Mais est-ce que je suis prête à être beau-père d'un petit enfant, là? Parce que tu es obligé de rentrer. Moi, non, là. Moi, non. Mais ça dépend, hein. Parce que j'ai rencontré... J'ai une de mes amies qui a un fils. Puis elle veut rien savoir de... Comme laisser rentrer un autre. C'est pas vrai, ça. Elle dit... ben, non, il y en a beaucoup qui disent ça, mais c'est juste que ça va arriver de facto. Genre, non, quand définitivement, vous... c'est indéniable. Mettons, jeudi, là, un des points pour... ben, un des points principaux pourquoi ça marchait pas, c'est juste l'horaire. Comme, il manquait de spontanéité dans le truc. Genre, admettons que je voulais l'avoir, c'est comme, ouais, OK, mais ce sera pas live, ça va être demain parce qu'il faut que je prépare le lunch. Ah, il faut que je dise à mon père que je rentrerai pas et tout. Fait que c'est juste, je peux pas juste genre comme faire, OK, come pull up. Yeah. C'est... OK, finalement, toi, tu veux quelque chose d'un peu comme, tu veux cette notion comme spontanéité. Oui, non, mais comme if we date, j'aimerais ça, genre, pouvoir chiller avec toi la semaine, sans trop se casser la tête, puis genre, trop prévoir, là. Comme, viens chiller, je viens chez vous, là. Mais genre, quelqu'un qui a un enfant, c'est juste... Non, c'est rough. Ouais, il faut que tu prévois une gardienne, surtout si l'enfant est très jeune. Ben oui. C'est comme un peu tough. Ben oui, c'est très... En vrai, c'est responsabilité, là. C'est très rough. Puis surtout, une femme... Une autre affaire qu'on parle pas souvent, comme quand tu dates... Tu sais quoi, on dit souvent femme, mais on va dire homme aussi. Il y a des gars qui ont quitté aussi, là. Sur quoi tu dates quelqu'un avec des enfants, là. Pas oublier, ensuite, leur entourage est aussi très child. Il y a plein d'enfants dans leur entourage. Oh, comme... BDV, c'est vrai. T'arrives très souvent dans les entourages. Comme moi, présentement, I don't want kids. J'en veux pas. Mm. J'ai deux filles, j'ai deux nièces, un neveu. Pour l'instant, je suis honorary dad et honorary mom avec eux, puis j'ai pas besoin de plus. Mais mon entourage, à cause de ça, c'est moi, j'arrive là, j'ai pas, c'est juste des kids. Mm-hmm. C'est une autre réalité qui s'est adorée aussi. Tu rentres dans la vie de la personne, tu vas être constamment entouré d'enfants. Si tu veux pas d'enfants. Ça, c'est. Non, mais c'est juste que je veux pas être parachuté dans le rôle de père. Je veux grandir dans ce rôle-là. Je veux. Ben, comme j'ai peut-être aussi un breeding fetish, là. J'ai vraiment hâte de mettre quelqu'un enceinte. Je suis fucking dead, quelqu'un. Je suis prêt à chou. J'ai vraiment hâte de mettre quelqu'un enceinte, là. Mais comme j'ai vraiment goût de genre juste toucher le ventre de ma copine, genre comme être à ses petits soins, genre. Tu veux comme... l'intimité. Oui, c'est ça. Je veux cocooner, genre. Yeah. Yeah. C'est plus ça que je veux. Mais c'est beautiful thing. Ouais. Comme j'ai vu mes amis avec leurs femmes, ceux qui sont bien passés, là. Parce qu'il y en a qui ne sont pas bien passés aussi. You know who you are. Wow. OK. Mais non, c'est ça. Ceux qui ça se passe bien, yes, it's a beautiful thing. C'est... Surtout, je trouve qu'au niveau du processus d'accouchement et tout, de grossesse de la femme, ça aide. I think it's help. Yeah, ben oui. Ouais, c'est ça. Je vais nester. Je crée un petit nid et tout. Une bonne chose. Ouais. Mais c'est quelque chose qui quand même faut que tu build. Ouais. Trouver une femme qui va. Parce qu'il y a comme. Il y a des femmes qui tombent enceintes et puis deviennent comme si get the fuck out, là. Comme ils veulent pas que tu leur touches, ils veulent pas que. Yo! Ça se non, lui, il a pas pensé à ses coquettes! Parce que c'est une question d'hormones, hein. Tu sais pas qu'est-ce que les hormones vont faire. Ouais, c'est vrai. Ça dépend. Là, imagine-toi, elle tombe dans une affaire comme si please don't fucking touch me. Puis tu dois le respecter. Puis là, toi, t'es là. I wanna hold you. Mais... Bitch, it's my child too, OK? You're just the oven. I put the cake. I put the batter in. I'm the batter. The batter. There's nothing without me. Non, mais je peux comprendre. Après, les filles vont dire que je suis misogyne, bah, j'ai dit ça, mon cher. Take it up with God, OK? Sorry, mon alarme. Bon. J'ai mute les appels, mais j'ai pas mute l'alarme, désolé. En plus, moi, je pensais qu'après ça, je me suis rappelé que mes alarmes, c'est moi qui les active. Sorry. On t'est rendu. Là, je commence à avoir chaud dans ton tout, j'avais pas chaud. What? I'm dying, girl. Je fais chaud en disant ça. Moi aussi, là, parce que. Écoute, on a tous les trois des cheveux longs avec. Ben oui. Long hair, don't care. Long hair pod. OK, ben vu que j'ai oublié de quoi je voulais parler, on va sauter à l'article. Ça va être 6 façons de mettre fin à un rapport sexuel au lieu de stimuler. C'est pour les femmes, les hommes. Principalement les femmes, I guess. Moi, j'ai déjà stimulé, là. Yeah, moi aussi, mais... Non, j'ai arrêté. Oui, ben c'est ça. On va donner ça aux ceux qui ne sont pas capables d'arrêter puis ils veulent continuer. Ouais. Premier conseil, je me sens bien. Je ne ressens pas le besoin de jouir pour prendre du plaisir. Hein? Yo, je vomis du sang. Je dis ça, je vomis du sang. Quoi? Moi, j'ai rien compris. Je me sens bien. Comme si, imagine-toi, là. Pow, pow, pow. Là, toi, t'arrives et tu dis au dude, là. Oh, c'est correct, je me sens bien. Oh non, bye. Je serais fucking... Je vomis du sang. Oh!
J'ai mis du sang sur la moon. J'ai mis du sang live. Attends, les gens vont dire que c'est rape culture, là. Non, je vais accepter. Mais mon ego est détruit, là. Mon ego est détruit, là. J'ai pas besoin. C'est quoi l'affaire? Comment c'est pas parce... comme je te dis pas parles, ça parce que je suis comme... Oh, je veux continuer. Je dis ça parce que je suis détruit, là. Yo! C'est pas combien de coins je vais devoir faire pour revenir, là. À chaque fois, là. À chaque fois, là. Gay, avant de venir stressé. Il y a un PTSD, là. Ben oui, non, ça, c'est sauvage. Oh. Mais ça, c'est des conseils pour les Caucus Mountain... OK, let's be fucking honest. Non, ça, là, tu... non. Shit, là. Ça t'envoie la femme se faire battre. C'est méchant. Oh, non, sérieusement. What? T'envoies la femme se faire battre, tu dis pas ça, non. Le gars va s'énerver, là. Tu tombes sur un doute qui est pas bien. Ouais. C'est très dangereux, là. Ouais, mais ça dépend. Ouais, mais j'avoue qu'il y a du monde qui évalue pas leur mot avec la personne avec qui ils s'adressent. C'est là, vrai. Si tu parles de quelqu'un d'agressif. Puis que, oui. Qui est pas... Qui je trouve pas que c'est un bon conseil, non. Moi non plus, je trouve que ça manque de délicatesse, là. Ouais, je okay. me sens bien, j'ai pas besoin de jouir. Non, comme parce si... que tout le monde sait que... Yo, comment tu veux? Arrête, là, c'est... Mais j'ai déjà dit ça, mais c'était genre troisième round, non, puis non, j'allais non. pas boss, là. Non, mais troisième round. Oui, c'est ça. Mais deux, trois, oui, c'est ça. Deux, trois. C'est ça, OK. Non, là, elle est greedy, là, si elle se passe. La façon, OK, elle est... Mais... Non, mais c'est comme si tu dis que tu te masturbes, mais tu t'arrêtes parce que t'as pas envie. Oh, je suis correct. Je me suis satisfait. Je me suis edge. Good. Non. Genre, j'ai jamais fait ça, mais des fois, je me masturbe vraiment plus par habitude que parce que j'ai envie. Mm-hmm. Puis des fois, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie? Puis je le fais juste pour continuer, là, mais c'est... Parce que je sais que le résultat est mieux que... Whatever. No, I get it. OK, prochain. C'est incroyable. Je préfère qu'on en arrête maintenant. Non, merci. Arrête, là, c'est incroyable. C'est pourquoi tu vas arrêter, c'est incroyable. Arrête, là, c'est incroyable. T'es supposé avoir les iRobots, c'est incroyable. Exactement, t'as pas besoin de parler. T'as besoin de parler en autre langue, là. C'est supposé de dire ça dans une autre langue. Tu vas aller chercher un manche après. Regarde, tu t'entends parler dans la fin, ça marche pas, là. C'est incroyable. Tu t'entends parler clairement dans la fin, ça marche pas. J'avais pas imaginé le memes, le gars qui est comme... C'est incroyable, mais on doit arrêter. On doit arrêter. Non, c'est méchant. Either way, c'est méchant. C'est quoi? Imagine-toi là. T'as... Oh non, c'est trop. Yo, faire ça à une femme, je sais pas si c'est déjà arrivé. Comme de... T'arrives et puis au moment, t'arrêtes. Non, yo. This is tu mets la femme au, ah, ouais. au bon niveau ouais. et du stop. Non, mais c'est ça, c'est méchant ça. C'est très dangereux. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Gars ou fille, c'est dangereux. Bah ça, les filles sont fortes quand elles veulent, là. Mais c'est... Tu peux te prendre un méchant coup de pied, là. Oh! Oups, c'est next, là. Exactement. Coup de casserole qui vient tout d'un coup, là, tu comprends pas. Ouais, non, ces conseils-là, ils sont pas bons. Non. Bon, il en reste encore quatre. Yeah. OK, le c'est prochain. C'est qu'il y a plein de réactions. Tu sais, il y a plein de tueurs, il y a des tueurs si proches. C'est pour ça. Je le gars. C'est assez proche. Je fais les bails comme ça, bonjour. Dem. Bon. OK, prochain. On peut se câliner maintenant? Ça, oui, non, ça. Mais ça passe. Parce que ça peut donner place à un round 2. Ouais, c'est ça. Oh, yeah, c'est mieux. Yeah, j'avoue, ça, c'est. Ouais, non, ça passe plus. Yeah, ça passe vraiment mieux. OK. Parce que là, OK, ouais, parce qu'aligné, OK. Peut-être le gars est essoufflé, la fille est essoufflée aussi. Ouais, c'est peut-être... ça, c'est comme être. Tu sais, les positions que tu fais des fois, des gars, OK. Ouais. Non, mais ça, c'est des affaires que tu dis quand les deux, vous êtes un peu fatigués, puis genre, vous voyez. Il y a un timing, là, t'es comme, OK, c'est live. Ouais, c'est ça. Parce que c'est déjà arrivé une fois, comme j'étais rendu comme. En tout cas, j'ai eu des moments dans ma vie où j'étais vraiment un hole. Comme j'ai eu des whole face dans ce Je m'en souviens, man, j'étais tombé sur une personne qui matchait mon wholeness. So we were fucking non-stop. Puis à un moment, comme j'ai bossé comme 5 fois, je crois. Yeah! Oh, j'étais dry après, là. En fait, 2 semaines, j'avais plus rien. J'ai fait 2 semaines, je crois que j'avais plus rien. Là. J'étais dead. Mais yo, j'étais comme, non. Non, je te file. J'étais comme... Si j'aurais eu cette phrase-là, ça aurait pu m'aider. Cette phrase-là aurait pu m'aider. J'aurais pu prendre un petit break. Ouais, parce que... Mais je pense que avec du recul, je pense qu'elle était nymphomane. Moi, je ne l'étais pas. Yo, j'ai déjà pris une femme comme ça, là. J'ai fait semblant de dormir pour pas fuck. Regarde, j'ai été avec cette femme-là. Une fois, j'ai dit non. Le retour était tellement agressif. Mm.
j'ai l'impression que si elle me voit, elle va me battre. J'ai l'impression qu'elle a du bif avec moi. Quoi. Voilà, du bif. Comme si, la manière qu'elle m'a parlé, c'est comme si, tu sais, quand un gars a un bif avec moi, j'ai l'impression que c'est comme. Ah ouais. Ouais. J'étais comme, I don't like that. Parce que là, tu me donnes envie de square up. Là, c'est pas bon. Je vais pas commencer à me battre avec une femme. Tu comprends? Puis si t'es capable de chercher ça dans moi, c'est, moi, tout de suite, c'est off. C'est bye. Tout de suite, c'est off. Je suis dead, là. Wow. Non, mais c'est. This is a good one. Au moins, ça. It's getting better. Ok, un autre. Je suis prêt à arrêter. Ça aussi, c'est fair. C'est correct. Ouais, c'est fair, ça. Ça, c'est fair. Ouais. Parce que c'est direct, mais c'est pas le manque de tact, là. Exactement. Ça ouais. Bien. C'est fair. Mm-hmm. Là, j'arrêtais, puis ça se peut que yo, tu fais pas le bail bien. Bye. Ok, ouch. Bye. Mm-hmm. Là, j'aurais pas vomi du sang. J'aurais juste comme. Gag a little bit. Ok, le prochain. J'ai adoré quand on a fait trois petits points. On devrait le refaire la prochaine fois. Mais c'est parce que c'est quand tu fais semblant, pourquoi tu dis que t'as adoré? Yeah. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est plus des affaires, mettons, pour manager même, les expectations de l'autre personne. Là. Mais là, des fois, c'est faut que tu dises les bad streaks. Là, oui. Montrer que la personne t'a aimé ça, puis dans le fond, t'as pas aimé ça. Là. C'est whack, là. Tu montes son estime. Après ça, quand il prend quelqu'un direct, ils sont comme, je comprends pas. Ben oui. Je me suis jamais. Comme, ben là, bro. Moi, ça me fait penser à ma première fois, ok? Genre, ma copine m'avait dit à moi, yo, c'était fucking nice. Mais à ses amis, là, yo, elle appelait mon bouddha comme, c'était trash, là. Oh! Et puis moi, je marchais dans la rue, là, comme si, genre, yo, j'ai tué le bail, là, yo, what is this? Tell everybody, I'm a man. C'est pas ça qui se passe. Non, moi, j'avoue, je préfère un feedback honnête. Un vrai honnête feedback. Puis en même temps, à force d'avoir eu des feedbacks honnêtes, je suis capable de voir quand quelqu'un n'aime pas. C'est ça. N'aime pas qu'est-ce que je fais. Ouais, c'est ça. T'es juste comme bro. Puis c'est à cause que j'ai eu des feedbacks honnêtes. Des honnêtes feedbacks. Puis maintenant, je sais aussi que la manière, OK, that's dans la direction qu'elle veut, c'est dans la direction qu'elle veut. Mais aussi, j'ai rencontré beaucoup de filles qui ne savent pas qu'est-ce qu'elles veulent. Ouais. Bro, baby. Même dans le rapport. Non, sérieux, c'est avec les filles que je prends plus de L. Sérieux? Ouais, parce qu'elles savent pas ce qu'elles veulent ou qu'ils font ou ils me prennent pas au sérieux. Là. Fait que je suis comme. Ouais. What you mean? Ben, ils vont dire quelque chose, puis après ça, c'est d'autres choses. Tu sais, c'est comme. Mm. Bro, moi, je t'ai dit direct qu'est-ce que je veux. C'est clair, là. T'as pas besoin de me dire si tu le sais pas, tu peux me dire si tu sais pas, puis on. Figure it out, mm-hmm. Mais figure it out by yourself, mais at least tu me donnes le choix. Mène-moi pas en bateau pour. C'est juste ça. Il y en a des gars aussi qui savent pas ce qu'ils veulent, mais non. Juste avec des filles. Je te dis non. Non, j'ai dit oui, non, je comprends, oui, c'est ça. C'était comme quoi? Mais non, mais il y a des gars, mais je trouve ça plus les filles. Mm-hmm. Yeah, moi, avec les filles, là, je peux te dire, une des histoires qui m'est arrivée, là, qui fitrait là-dedans exactement, c'est que we were like, c'était dans mon old phase. On était dans un hot talk, là, comme si we're gonna do this, that, whatever. Moi, j'étais fucking stimulé. Comme, j'étais comme, yes, c'est un butt freak, je suis chaud. Fais des push-ups, prends ta douche, you know. Et puis, bro, non, c'était pas son level, là. Elle parlait de quelque chose qu'elle ne savait pas. Ah, ouais. Yo, ça, c'est vrai. Ça, puis ça m'a vraiment tenu off. Hein. Moi, c'est pour ça que je braque plus, là. À part ma langue, là, c'est le seul truc que je sais que je peux braque dessus, mais sinon, le reste, là, non, moi, je laisse tu vas voir. Moi, j'aime pas ma chaînette, mais je peux te dire qu'elle mais oui, très mais je sais très à quoi ça sert. Elle met énormément. It's a plus. C'est ça, le truc. Exactement, c'est un plus. Je suis dead. Mais non, effectivement, non. Je braque jamais parce que j'aime pas avoir l'expectation de performance. Ah, ouais, non. Vraiment non plus, ouais, c'est non. Ça, c'est supposé être une activité. Le fun, c'est pas une compétition de comment I wanna be the best. Non, là, on manque le fun. C'est supposé be fun. Puis... I wanna be the very best. Ben oui, c'est vraiment ce feeling-là que j'aime pas dans le sexe. Dans une hook-up avec quelqu'un. Là. Comme si. What we're talking about that. Comme, puis t'arrives, puis tu donnes pas ce niveau-là. Ouais, c'est pas ça. C'est tough. C'est tough. C'est moi, je dis tout le temps, c'est le bénéfice, je laisse le bénéfice du doute. Anyway, ça dépend des gens. Peut-être que pour une personne, la fille, t'as été son best parce qu'elle a pas eu beaucoup de partenaires. Mais c'était quelqu'un avec plus de partenaires puis qui était comme. Exactement. Mais si c'est pas, tu peux pas me dire, oh, yo, moi, je suis bon. Moi, quelqu'un qui me revient comme ça, je vais me juger par moi-même.
comme chacun son... Ben oui, c'est pas tout. Toi aussi, ben tu oui. jugeras par toi-même. Ben c'est ça. Mais je vais pas commencer à te donner... ben oui, parce que... Tu laisses le bénéfice doute, là. Tu sais, tu peux arriver avec quelqu'un, ça fit. Mm-hmm. Tu peux arriver avec quelqu'un, ça fit ça pas. Ça marche pas. Yeah. Puis t'as fait les mêmes moves, on va c'est dire, ça. T'as fait les mêmes moves. Mm. Elle est comme amazing. Elle est comme, ah, I don't like that. C'est ouais, vraiment c'est ça. Ça dépend. Non, mais c'est vrai, genre, parce que moi, j'utilise un peu la même technique pour manger des vagins. Il y a des filles qui aiment vraiment ça, comme c'est le meilleur oui. truc qu'elles ont eu de leur vie, puis d'autres, c'est comme... Mais c'est juste... Moi, c'est mon move de base, puis après ça, je vais m'ajuster. Là. Exactement. Mais je peux pas dire que, genre, je suis bon pour tout le monde. Là. Non, moi, exactement. Moi, je believe dans l'ajustement. Oui, c'est ça. C'est ça, on ball, être on ball. C'est ça. C'est comme t'as dit, j'ai mon basic, mm-hmm. Mon ouais, starter basic, pack. Là. C'est ça, après starter ça, pack, après starter ça, pack. T'es attentif, là. Puis t'es comme, OK, une fois que tu commences à figure it out. Parce qu'il y avait la vidéo de la fille qui parlait avec dans le pod avec d'autres gars, puis elle expliquait que dépendant le gars qu'elle couchait, elle observait vraiment. Mm-hmm. Ouais, elle ouais. regardait comme ça, même les la manière de kiss ou whatever. Ouais, ouais. Mais je trouve que les gars ont ce travail-là à faire aussi. Oui, mais j'ai l'impression que c'est... C'est pas tout le monde, mais gars et filles qui font tout ça. Puis ouais. genre, non, exactement. Genre, mettons, quand je dis à une fille, j'ai de la misère à venir off-head, elle, dans leur tête, c'est comme, what the fuck? Mais c'est genre, j'ai l'impression que les gens qui disent what the fuck quand tu leur dis que quelque chose va pas ou whatever, c'est pas des gens qui sont observant non. en général. Ça, c'est vrai. C'est des gens qui font juste genre pound town. Puis genre. Non, c'est ça, mais moi, je trouve que c'est dur de venir avec une tête, là. C'est à part si la personne sait ce qu'elle fait. Mm-hmm. Je trouve que c'est... Surtout quand tu connais pas la personne dès le début, je trouve ouais. que c'est normal, tu dois t'adapter, là. Moi, je suis en oui. bon, ça se peut que. Je sois pas capable. Là. Ah ouais? Mais moi, je suis petite, là. Ça mm-hmm. dépend, là, je le dis. C'est pas tous les calibres que je suis capable de. Je le dis, je suis en bol. Bien en bol. Ouais, non, je suis en bol. Je peux pas dire, ouais, non, là. Non, je te comprends. Je suis juste pas capable. Non, c'est sûr. Comme. Moi, je sais que the best head I ever had, là. Elle m'a bouffé le cul. Écoute. J'avais 20 ans, je crois. Oh, shit, et ça fait un bout. Ça fait un bout, ça fait un bout. Mais il n'y a jamais personne qui a battu cette femme-là. Mais... Wow. Yeah. Mais elle était plus vieille. Elle avait comme... J'avais 20 ans, elle avait comme 33. OK. God damn! Elle était groomée. Yeah, I got groomed. Kind of, I guess. Mais j'étais adulte. En tout cas, yeah, man. Yeah. Yeah. Elle a mis la barre vraiment haute. Puis maintenant, comme... Je suis comme, non, that ain't it. C'est le pas. Comme. Mais c'est pas quelque chose que je vais reprocher si j'ai une copine. J'ai pas OK, mais c'est quoi ça, qui donc. Fait une bonne tête, mettons? Ah, bro, I don't know the way, man. En tout cas, le basic, s'il vous plaît, mets pas tes dents, là. Mais c'est le play with the inside of the mouth. Il y a si la langue, le inside of oui. the mouth, tout ça, c'est there's a way où que she can, like, make you feel it. Mm. Puis, je sais pas, c'est ce style-là qui est difficile, je crois, pour les filles. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Yeah. Mais j'ai l'impression que beaucoup de filles aiment juste pas manger de pénis. Hein. Yeah, il y a ça aussi. Là. Fait que c'est tough de faire des bonnes relations quand tu n'aimes même pas ça. Tête, là, c'est... Ben, tu le vois quand quelqu'un ben oui. fait une tête et qu'il aime pas ça, mm-hmm. puis quelqu'un qui le fait quand quelqu'un ben a envie oui. de le faire. Là. Ça, ça me turn off. Je suis comme, comment t'aimes pas. Je suis comme, laisse faire rendu love, non, pas de tête, cette personne te force. Comme. Shut up! Like, what the fuck? Non, plus, je comprends pas. Exactement. Comme... Moi, je vais pas refuser de manger ton vagin, c'est chill. Tu me dis, tu vas pas sucer mon pénis. Je suis comme, non. Donnant. C'est quoi tu me fais? Non. Mais moi, je disais ça, je disais, non, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il faisait juste ça pour sa Steve. Puis j'étais comme. Mais ça, c'est des capeurs, là. Attends, après ça. Ça, c'est les gens qui sont poches, actually. Attends. Sinon, c'est sûr que c'est poche, t'as pas de poche. Mais non, mais ça, c'est ça, tu pas. Mais je suis comme, OK, depuis, je suis comme, je veux pas, mais finalement, je pense que je suis un munch parce qu'I don't care, là. Je suis juste comme, mais moi, je veux le faire, là. Je veux pas. Non, I can't, yo. You weak. I'm not weak, I'm hungry. C'est vraiment ça. I'm a munch too, là. Tu l'as dead. I'm not weak, I'm hungry. T'es pas toi quand t'as faim. Non, je te munch, là. J'ai essayé de la faire, là. Je suis comme, non, that's not me. Moi, ça dépend. Ça dépend parce que je peux être quand même bamboozle. Il y a des... Est-ce que si... Il y a des femmes qui peuvent bamboozle. Ça, je dois faire attention. Soit j'ai toujours mon boy qui est toujours là pour me ramener à l'ordre. Comme si... Je dis, est-ce que... Am I like being too weak right now? C'est lui qui fait l'analyse, là. Il est comme... Get yourself up, nigga. Je suis comme, OK, thank you. I needed that. Moi, j'aime trop manger des vagins. Je préfère ça à fuck, actually.
Je vais pas te mentir, moi aussi. Je posais plus jeune, j'avais des préjugés au début, plus jeune. J'étais là, oh non, j'ai pas mangé de vagin, whatever. Parce que t'es là, tu dis les mêmes choses que les gars. Comme si je fais juste ça avec ma copine. Quand ça va être spécial. Young me was dumb. On a tous passé par là, je pense. Exactement, mais j'adore. Yeah. That's a good thing to do. OK, le dernier truc pour arrêter une relation sexuelle sans être rude, là. C'est ça, c'est cool. J'ai juste envie d'être dans tes bras maintenant. Ok, c'est ça, c'est cute. Mais t'es déjà dans mes bras. Déjà dans mes bras. C'est ça. Maman, on est même. En tout cas, plus mon pénis, c'est dans toi. On est dans un deep hug. Exactement. Je peux pas te hug plus que ça, autrement, je suis dans toi, dans ta peau. T'as pas été talking about. Non, j'avoue, ça c'est off. On peut aller sur le côté, sur le cordon en même temps. J'avoue, ça va. Tu sais pourquoi c'est bon? Ça va tellement être whack comme réponse, je vais être comme the fuck. Tu vas devoir le zoup. Mon pénis va rétracter chou. Non, ça va me tenir. Ça va me faire penser comme. Qu'est-ce que tu viens juste de me dire là? Ça fait pas de sens. Comme inspecteur gadget. Go, rétracte ton pénis. Go, rétracte ton dick. Shout out à Inspector Gadget, by the way. Yo! C'est affaire-là à carry mon childhood. Man. Yeah. Bon, mais shout out au Pastel Media _ pour ce bel article qui est un peu trash, to be honest. Yeah, on l'a. Mais bref. Fait qu'on va passer aux questions bazar. Yeah. On a reçu quelques questions des anonymes, des abonnés, ceux qui nous écoutent. Puis j'ai fait des petites recherches aussi, là. Écoute, okay. Recherchiste, Nami. Non, c'est fini, ça. Ah, oh. Yes. Ok. Tu okay, première tout question. Tout est dit ensemble quand tu la vois, là, comme si tu pètes un mur. Ok. Ok, première question. Est-ce qu'on devrait chercher l'approbation de ses beaux-parents? Non. Ben, un peu sur certains trucs, là, je dis non à fucking vite, là, mais ça dépend pourquoi. Là. Faut que je me laisse réfléchir un peu. Moi, je trouve que ce serait juste plus simple si. Donc, pas chercher l'approbation, mais c'est juste si t'aimes déjà, c'est ça. Tout va être plus simple dans la vie. Là. Ouais, ça, je suis d'accord avec. Mais chercher l'approbation, parce que moi, personnellement, parce que ça, c'est vraiment personnel. Je cherche l'approbation à personne. C'est ça, moi non plus. Alors, si je suis rendu à chercher l'approbation à tes beaux-parents, je suis en train un peu de travestir ma personne. I don't like that. Quand je peux les. On se tolère, là. Je sais pas, là. Yeah. C'est dans des soupers de famille. Ouais. Mais je vais les respecter. Ouais, c'est ça. Je vais les respecter à The Home. Même si que je pouvais m'engueuler avec eux, je vais les respecter. Still. Comme, je suis avec la personne. Pour pas faire de trucs. Mais là, pour leur approbation, je peux m'en. I don't care. Non, j'étais comme non, mais en même temps, tu sais, il y a des trucs. Que, mais. C'est comme. She call me daddy. C'est dead, là, vous, toi, là. Pas besoin de ton approbation. I kiss her good night now. Exactement. Moi aussi, tu as dumb, là. Wow. I'm daddy. C'est moi now. Qui take care maintenant. À la fin de la journée, c'est vraiment ça qui se passe. Si tu maries une femme, tu décides de bâtir quelque chose avec elle, t'es le provider, t'es le care. Son père, c'est une question de respect. Je vais te donner le respect, mais ton approbation, I don't care. Ouais. C'est moi qui dois. C'est moi qui dois. C'est mon approbation que tu dois avoir. Parce que là, tu vas venir chez nous. Parler avec ma femme. Ouais, j'avoue. Je suis dead. Ben oui. Est-ce que tu penses que tes parents, ils seraient du genre à être des haters ou... Oh non. Non. Ma mère, c'est la. Ma mère, là, dès que la fille correspond à elle, parce qu'elle n'a rien à foutre de qu'est-ce que moi je veux. Qu'est-ce que moi je veux, c'est pas important. Là. C'est, oh, mais elle est bonne. Elle va flip side. Là. Ma mère a déjà flip side sur moi plusieurs fois. Là. Ah ouais? Ouais, non. Comme si, oh non, c'est toi qui n'es pas bon, c'est elle qui a raison. Je suis comme, oh, it's been your own mother. Non, moi, ma mère, elle a un bon détecteur. Là, fait que si le gars n'est pas bon, elle va hate. Mais elle va me le dire, mais moi, j'écoute. Je vais garder ça dans ma tête. Mais menti. Non, je garde ça dans ma tête, mais je fais quand même ce que j'ai à faire, là, comme si j'ai envie de pas l'écouter. Tu sais, comme si quand ça va arriver, là, je vais faire quête. Elle avait raison, mais comme je vais quand même faire parce que j'ai envie de le faire. Ouais. Moi, je sais que mes parents, c'est des haters de base. OK. C'est-tu tes number one haters? Oui, c'est mes number one haters. Comme ils vont supporter, mais ils vont chialer. Comme ils vont trouver une excuse quand même de chialer, which is understandable, I guess. Là, mais oui. Ben, ouais. Quand tu sais, tant que ça t'atteint pas, tu sais comment ils sont. Mais moi, c'est juste ça. C'est fait, je veux aussi choisir quelqu'un que je sais
qui a moins de potentiel qui hate. Là. Mm-hmm. Fait que je vais juste... C'est ça. Mettons toi, là, genre, tes tatous, je sais que ça passerait pas tant, là. Oh non, je sais. Hey, ça passerait pas pour beaucoup de personnes en passant, but like, I'm not for everybody. Là, but... ouais. Comme, ma mère, c'est pas son favorite thing, mais elle va pas te juger pour ça. Elle va dire, moi, j'aime pas ça. Parce que moi, avant, j'ai plusieurs piercings, là, I don't wear it anymore. Mm. Mais avant, j'ai porté mes piercings et tout. Ma mère a jamais filmé mes piercings, elle m'a toujours blasé. Alors, même mes cheveux, elle aime pas. Quoi. Ben, Chris, j'ai grandi à Adventist, ok? Bon, ok, toi, t'es dedans. Genre, au Gala Dynasty, là, j'avais un petit collier, là. Elle dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle était prête à péter une coche, là. Je suis comme, mais, mamie, I'm almost it, man. Quand ça va sortir, je. I'm 33. Ben oui. The fuck? C'est grand monde, c'est ça. Quand on parle à la vision du futur. Ben oui. Oui, c'est vrai. C'est écoute. Grosse machine à voyager dans le temps. Je suis l'alpha l'oméga, comprends? Le commencement et la fin. Hey. That's it. We're coming for you. Yo. Mais il faudrait, pendant qu'on parle de futur, là, si futur juste pour vous donner le numéro de loterie, l'automax. We're gonna say no. Écoute. OK, prochaine question. C'est quoi la meilleure drogue sur laquelle avoir du bon sexe? Oh. Puis on peut inclure l'alcool dedans. Ah ben, on inclut l'alcool dans tout, là. Ouais. Mais l'alcool, pour moi, c'est one of the worst, actually. Non. Ah ouais? Il y a quand t'es trop drunk. Non, c'est pas... mon niveau de drunk. Moi, je te dirais... Là, on a dit quoi, la question? Juste être sur... Meilleure drogue pour avoir du sexe. OK, moi, je dirais Molly puis les shrooms. Ah ouais? Mm-hmm. Et Molly, c'est parce que tu sens vraiment tout, mais shrooms aussi. Mais il faut que tu fasses shrooms, il faut que tu fasses ça avec les gens qui t'es confortable puis t'es à l'aise. Ouais. Mais les deux, vous devez être sous shrooms. Ouais, les deux. Ouais. Oh my God. Yeah. Molly aussi. Molly, c'est un gros vibe. Ouais. Molly, tu sens tout, même le toucher de quelqu'un, le tout, c'est... Non, moi, la Molly, ça me fait réagir vraiment bad. So. Ah, moi, je vomis, mais je suis good après, genre, parce que... Ah non, moi, c'est même pas vomir, je me sens vraiment de la merde. Non, ça, je suis juste pas qui est bien, là. Mais... Moi, avec l'alcool, je trouve que, genre, t'es vraiment plus wild. Fait qu'on dirait ouais, que aussi, t'expérimentes non, vraiment plein d'affaires que tu ferais pas, genre. La drogue, mais, même affaire. Mais faut que ce soit le bon niveau de drunk. Ouais, bon niveau de drunk. Parce que c'est ça l'affaire, le problème avec l'alcool, c'est que... Si t'es tipsy, yeah, je suis d'accord. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'inhibitions qui sont down, puis tu vas être down de même go. Like, on va te proposer des choses, tu vas être comme, yeah! Je suis d'accord, mais si tu vas trop loin... Bouffe-moi le cul! C'est ça l'affaire, c'est que si tu vas trop comme... Non, ça devient bad parce que t'as le motion sickness qui embarque aussi. Non, là, non. Comme... non, mais drunk sex, c'est bon, actually, parce que c'est vrai, je me rappelais quand j'étais allée au bal haïtien, j'étais vraiment fucking drunk, là, j'avais même pas rendu compte que j'étais comme ça. On a fait ça dans le stationnement de l'affaire. On aurait pu se faire prendre pour vrai, là. On était dans le stationnement du bal, puis ben, pour vrai, c'était vraiment... C'est wild. That was wild. Moi, j'avais oublié qu'on était dans le stationnement. Après, c'est le lendemain. J'aurais pu vraiment me faire prendre. Quelqu'un aurait pu nous filmer. Moi, j'ai cabé dans un mariage. Là. Dans un mariage? Ouais, cabé dans un mariage. Ben. En plus, c'est la meilleure amie de la moon qui l'a cabé. On était drunk. Ben, attends. Mais vous étiez où dans le mariage pour fuck dans le mariage? On était allé dans le parking. J'étais allé smoke. Elle était, oh, je fumais avec toi, mais elle fumait pas. J'étais comme, OK. She wanna smoke that dick. Yeah, c'est ça, mais c'est ça un de mes gros défauts, je suis pas rapide. She wanna hear of that dick. Là, je suis comme ok, là, comment il fait froid rentre dans mon char, je suis comme ah, toujours pas cliqué. Ok. Je suis pas rapide, comment ok. En bas, commence à smoke, puis là, on commence à se toucher, à faire des shit, puis là, t'as comme bon, la fenêtre, puis je suis comme. Je m'en fous, là. Comme... Mais attends, mais l'ami, c'est une hater pour de vrai. Je suis fucking honnête, là. J'ai une hater parce que je suis sûr qu'elle nous a spot depuis le début. Ouais. Parce qu'on était vraiment en train de vibe, là. Puis elle était comme. Elle était pas de. Ah. En tout cas. Qu'est-ce que j'ai pu prendre était nice. Mais qu'est-ce que je me souviens, là, parce que j'étais vraiment drunk. Les deux, elles étaient fucking drunk, là. Ben oui, yeah. So, yeah, je pense que c'est bon, mais en même temps, comme je dis, le fait que j'étais vraiment drunk, je suis pas sûr de tout exactement ce qui s'est passé, dans l'ordre que ça s'est passé, parce que j'étais trop drunk. Ouais. Tu comprends? OK, prochaine question. Racontez-nous votre pire bad trip. Moi, c'est arrivé l'année passée.
Tu sais que j'avais attrapé le COVID, là? Oui, ouais. Puis là, je pratiquais à faire des headballs avec du moche. Moi, je faisais des smoothies, comme, avec le moche. Puis là, comme, j'étais pas... Oh, mais le moche! Là, j'ai essayé, puis là, j'étais comme, OK, le goût est balancé, whatever. And I drink the whole shit. Je sais pas si c'est la fusion du COVID avec... Bon, j'ai eu le pire bactérie que j'ai jamais vu. C'était un horror movie pendant presque 2 heures de temps. J'étais comme plus jamais, man. J'avais un shiver dans mon spine qui était non-stop, comme. Oh, no, that was the worst. Oh, non, moi, c'est un peu... C'est pas trop drôle. Mais en fait, j'ai compris après pourquoi j'avais bad trip, là. Mais dans le fond, 2020, là, c'était vraiment une année de... C'était-tu en 2020, toi, avec ton truc de... Non, c'est l'année passée. Ah, c'est l'année passée. Moi, c'est en 2020. En 2020, 2021... Non, 2021. Genre, j'étais dans une mauvaise place dans ma vie, là. Comme mon père venait de décéder, j'étais pas dans une bonne relation, on décide de faire du shrooms. Yo, tout va bien. À un moment donné, yo, je me sens comme si je me vidais. Yo, je pense que je restais au moins 3-4 heures à terre en train de fucking pleurer. Genre. Oh, shit. Oh, ouais, non, c'était le pire vibe. Yo, probablement, quand ça commençait à kick-in, j'avais un col roulé. Yo, l'affaire est en train de m'étrangler. J'enlève mon chandail, on était juste en fille, là. J'enlève mon chandail. Yo, un moment donné, j'étais à terre, j'étais plus capable de me lever. Puis, pour vrai, c'était le pire trip, mais ça m'a fait réaliser que, genre, je me sentais seule. J'avais de la peine pour mon père. Puis, le fait que je me sentais étouffée dans mon chandail, c'est ma relation à was feeling, like, I was choking. Fait que tout ça, ça m'a fait comme, OK, that was the worst trip of my life, mais ça m'a fait aussi, ça m'a fait aussi réaliser que I had to move on. Puis, c'est comme ça que j'ai laissé mon ex. Ah ouais? Ouais. Ben, ça, c'était quand même bénéfice, finalement. Ouais, c'était un bénéfice. Non, mais c'est ça qui est quand même fou avec. Moi, la même chose avec mon. C'est un vieux trip. Mais ça a mis beaucoup de choses en perspective. Parce que ça m'a fait face deux, trois images que j'avais besoin de fix in my life. C'est le fun, les psychédéliques, mais c'est aussi un travail. Moi, c'est le fun, mais c'est aussi comme un inner trip. Genre, c'est pour travailler. Tu dois accepter le shit que ça te montre. C'est le raw reality, puis c'est raw, raw, là, comme raw. C'est comme. Si t'as des shit que tu. Comme moi, là, les gens avec qui j'aime pas faire des shrooms, c'est les gens qui ont. Beaucoup de, comme des gens qui ont beaucoup de remords, des affaires de merde. Ouais, trop de problèmes, issues on soul, parce que ça va ressortir. Ouais. Puis si tu intériorises beaucoup, là, comme ça va sortir. Puis les worst, oui. Tu, comme tu sens, moi, je me sentais me vider, là, puis je pensais que c'était ça, pourquoi je m'avais ruiné dessus. Là. Le lendemain, j'étais comme, quête. Ouais. Non, c'était vraiment intense, là. Puis le lendemain, même pas, là. C'était, mais je sais pas pourquoi je me sentais me vider, mais c'était vraiment pas agréable. Moi, j'ai sué ma vie, là. Yo. Ah ouais. Hein? Yo. Mais à part ce trip-là, j'ai toujours eu des problèmes. Mais non, exactement. Ça, c'est. En même temps, je suis malade, j'ai eu le COVID, je prends l'affaire, je l'ai cherché un peu, là. Ah, ouais. Moi, quand j'avais le COVID, juste fumé du weed, j'étais. Yo, on dirait que c'était mes premières fois, j'étais comme, yeah. Mais oui, c'est. En tout cas, COVID make shit really, like, tough. Ouais. En plus, yo, j'étais fier, j'avais pas attrapé le COVID pendant 4 ans. Mais... Wow. Ah ouais. Et puis, je l'ai attrapé, même parce que j'ai arrêté de porter mon masque. Oh! I'm really upset about that. Je pensais que j'allais être des gens qui allaient m'attraper le COVID. Non. Yo, man. Moi, je pense que je l'ai attrapé 2 fois. Shit! Mais bref. Comme mon boy. Moi, j'ai attrapé comme 5 fois, je crois. Mais genre, je pense que je l'ai attrapé 2 fois de suite. OK, ouais, ça se fait. Ou c'était pas genre... ou la première fois, c'était pas COVID, c'était juste la grippe normale. Oh, moi, ça m'a saccagé, là. Ouais. Non, je pensais que j'allais mourir. Moi, mais après, je suis saccagé. Je pensais pas que j'allais mourir, mais j'étais vraiment à terre. Là. Moi, je pensais que vraiment que j'allais mourir. Ah ouais? J'ai commencé à trembler. Ah ouais? Ma fièvre a monté tellement high. J'ai failli feinte. Je me suis couché dans mon lit. J'ai commencé à avoir des convulsions. T'habitais tout seul, en fait? Moi, j'habite tout seul. Ah, c'est ça. J'ai appelé ma mère, je suis comme, yo, oui, man. Oui, man. Cherchez. Ma mère était crampée, man. Quand t'étais moins dramatique, je suis comme, yo. Mais moi, j'ai tellement peur des drogues, là, je te dis. Ah ouais? Ah ouais, non. T'es comme mon meilleur ami. Mais c'est parce que, genre, admettons que l'alcool, j'ai vraiment le contrôle, en fait. Genre, je sais quel verre va me rendre fucked up. OK, c'est l'inconnu que ça te fait peur? Non, j'aime juste pas comme... Tu sais, j'ai déjà essayé des drogues, mais j'aime juste pas perdre le contrôle puis pas savoir combien de temps ça va durer. OK. J'ai vraiment... mettons l'alcool, je sais que genre, si je bois de l'eau, je vais chill. Ouais, tu vas être chill, exactement. OK, ouais. I get that. Moi, je respecte ça. Puis c'est une bonne chose à savoir aussi. Mm-hmm. C'est... Tu fais pas des trucs qui te font pas de plaire. Exactement. Tu fais pas kill le vibe des gens non plus. Non, oui, c'est vraiment mieux kill mon vibe. Là. C'est ça. Pour ça, back trip, là, faut que j'appelle le boulot. Yo, oui, là, je suis tout fucked up. Pour get down, là. Ben oui. Oh my God. Non, mais effectivement, je trouve que pour... si tu vas dans ce lane-là puis tu fais des drogues récréatives ou whatever, tu dois avoir un bon niveau de responsabilité. Ouais, entourer des bonnes personnes aussi. Yeah, exactement. Des gens qui vont te laisser tout seul pendant que tu es en train de battre triple.
C'est vraiment important de faire des. Quand tu fais, décides de faire ça avec des gens que tu trustes. Ben oui. Puis qu'ils te filment pas avec ton téléphone. Moi, ça, c'est des trucs que je veux pas. Ça aussi, ça tu vois là, que je suis zéro active sur les réseaux sociaux, c'est parce que I'm fucking busy. I'm probably super lit. Parce que moi, rester sur le téléphone là-dessus, ou sur Snapchat, il n'y a rien non, à voir. Non, I don't like that. Moi, d'habitude, si j'ai du fun, tu vas pas avoir aucune vidéo. Moi aussi. Ben, tu vas avoir un petit peu, c'est un spectacle, mm-hmm. mais je vis le moment présent. Ouais, c'est ça. Yeah. Je pense qu'une fois, il y avait Diplo puis Madonna de quelque part. Genre. Oh, nice. Puis j'étais là, puis tout ce que je voyais, c'était des téléphones en l'air. Yeah. J'étais comme, mec, guys, vous vivrez jamais ça dans votre vie. Arrêtez de regarder le spectacle à travers votre téléphone. Regardez-le pour de vrai, avec vos vrais yeux. Le moment. Ouais, c'est ça. Ton souvenir va être toi qui tiens le téléphone. Tout le long pendant genre, bye. Ben oui, non, moi, je veux vivre l'expérience, mm-hmm. je veux l'absorber. Moi aussi. Comme, je veux que ce soit sûr que ça devient un souvenir comme bien imprimé dans mon cerveau. Mm-hmm. Mais si j'ai mon cellulaire, ça va pas pouvoir se créer. Tu sais, je me souviens des artistes que je voulais vraiment voir. Là. C'est comme si, des fois, quand je me remets, je me revois. Ouais. Puis c'est parce que j'ai vraiment pris le temps d'absorber le moment où j'étais. Comme. Parce que pour créer un memories, il faut plus que tes yeux. Là. Il faut l'odeur, il faut le toucher, il faut tout, everything. Il faut que tu absorbes everything. Puis tu vas voir, ta mémoire va être. Ton souvenir va être impeccable. Comme ça, on a perdu ce. C'est vrai, ça. La notion de créer ces souvenirs-là. Même avec les gens, là, comme. Le monde est sur leur J'écoutais un thing qui disait que on a comme la technologie nous a juste permis de libérer notre cerveau. Fait que genre juste mettons nos souvenirs, on va plus les garder dans notre mémoire, on va les garder sur notre cerveau. Genre maintenant on est avec ChatGPT et tout, on va un peu perdre l'habileté d'écrire, on va juste sortir ça dans notre là puis l'avoir genre sur un ordi. Fait que on va juste libérer de la place, mais là c'est juste qu'on le remplace pas non plus par des affaires qui font du sens là. Genre c'est pas mal juste entertaining puis TMZ puis Shade Room là. Fait que je sais pas à quel point genre c'est une bonne idée là, mais comme c'est pas mauvais, c'est juste que je trouve ça wack qu'on perde ce knowledge là pour. Je suis tout à fait d'accord. Laisser place à des affaires qui vont faire la peine. Parce que l'être humain c'est une machine phénoménale. Ouais. On est une machine qui est phénoménale. On peut faire des choses fantastiques. Puis c'est le fait qu'on on a perdu cette notion là qu'on peut build ourselves sur un certain niveau. Ouais. On peut faire des tâches qui sont exceptionnelles, puis on préfère qu'une machine le fasse. Je trouve qu'il faut avoir une balance entre les deux. Puis c'est ça qu'on a oublié. Qu'est-ce que tu enlèves? Il faudrait que tu le remplaces par quelque chose. Oui, mais par quelque chose qui fait du sens. Exactement. Ou qui est comme. C'est ça, pas des trucs. Meaningful, tu comprends? Ouais. Oui, il manque énormément de trucs. En tout cas, j'espère que ça va stabiliser. Je believe dans la balance des choses. Ouais. Quand ça flippe trop, il y a quelque chose qui va se passer pour rebalancer. Hopefully. Oui. Are we gonna be there? C'est ça le problème. Est-ce que ça va être quelque chose qui est nice? Ça peut être sauvage aussi. OK, prochaine question. Comment ventiler à propos de son partenaire sans nécessairement le dénigrer? Genre, tu parles à tes amis de ton chum qui te gosse à propos de quelque chose, mais tu veux pas. Tu sais, genre, on a souvent tendance à juste le bâcher. Okay. Et comment faire ça respectfully? OK. Moi, je vais dire, là, OK, my bad, là, mais moi, parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez direct. Fait que ça se fait, j'ai déjà dit que, genre, t'es fucking gossant, bro, là. Fait que ça se fait. Anyway, non, il sait parce que ce que j'ai déjà dit dans son dos, là, je vais l'avoir dit dans sa face déjà. Fait que, ouais, non, j'ai pas de filtre. Je suis assez direct, là. Fait que, non, je vais lui dire comme il sait. Puis, si je vois que j'ai été trop rude avec mes mains, avec mes mots. Si j'ai été trop rude avec. I beat the nigga up. C'est ça. Non, si j'étais trop réelle avec mes mots, ben quand je me calme, ben là, je m'excuse là, parce que je suis comme, OK, my bad, là, c'est. OK. C'était pas correct, là. Pas des trucs à I can't take back, though. Mais comme, mettons, j'ai dit que t'es fucking con, genre. Parce que moi, je les ferme ta gueule dans des chicanes puis des trucs comme ça. Je zéro, là. Non. Je trouve que tu dois avoir du respect pour tes partenaires, même quand t'es mad. Yeah. Fait que si je me glisse puis je dis t'es con. Je vais me calmer 2 minutes, je disais, OK, yeah, je m'excuse, je vais donner 1 minute. Là. Moi, je vais pas te mentir. Quand j'ai un conflit avec like, quelqu'un que j'aime bien, j'appelle tout mon entourage, a toujours un surnom. Là. Si je vois, je t'ai parlé avec ton government name. Là, ouais, moi aussi, we're not good. C'est ça que je fais souvent quand je veux bâcher, je vais commencer à l'appeler par son government name, puis je vais être comme, Intel, là. Telle affaire, ils savent que je suis pas content. Mais comment tu sais, c'est quoi la limite, mettons, à pas franchir quand tu commences à parler de. Parce que c'est naturel, là, parler de son partenaire et ses amis. Là. Ben oui. Mais comment, c'est quoi, genre, là, mettons, là. Tu sais, il y a une ligne où c'est comme.
c'est respectful, okay, puis ben, c'est les plus, genre. Ben, c'est quand tu es rendu que tu ventes, mais tu es rendu à cher des affaires personnelles, mm, comme, over, comme juste pour bâcher la personne. Ça, c'est des trucs que you can't take back. Yeah. Fait que c'est pas ça parce que tu es fâché contre la personne. Tu es obligé d'être méchant non plus. Mm. Comme au pire, si tu n'as rien à dire, genre, va calmer. Va jouer un petit peu à code ou je sais pas. Là. Non, je suis d'accord avec ça énormément. Comme, moi, exemple, dès que tu es rendu à rabaisser la personne, ouais, yeah, c'est not good. Ça, même, ça devrait même te donner le feedback que peut-être t'es pas avec la bonne personne. Non, c'est rendu là, genre, bro, laisse-la. Mais je sais pas nécessairement que t'es pas avec la bonne personne, c'est juste genre, tu sais pas gérer nécessairement ta colère, justement. Yeah. Puis tu veux blesser, parce que la plupart des, oui, gens qui veulent faire ça, ils veulent gagner, mm-hmm, comme si c'est le, ouais, but d'une chicane, c'est gagner. Non, le but d'une chicane, c'est y'all need to calm down. Après ça, revenir avec une solution. C'est ça, le but d'une chicane, c'est de se faire comprendre. C'est pas de gaslight, puis de payback. Pis... Yeah, j'aime pas la notion de payback, puis de... Make-up sex, puis yeah, dust it under the rugs, puis après ça, ça recommence. Like it... Non, moi, je préfère régler le conflit. Moi aussi. Avoir la conversation, mm-hmm, qu'elle soit pénible ou pas, là. Peut-être légère, par contre, là, parce que crier, là, ça marche pas. Exactement, moi aussi, crie mais pas. Mais tu peux hausser le ton sans crier. Ouais, moi, je crie, fait que des fois, il faut qu'on entende. Okay, c'est toi qui es toxique. Ouais, non, je suis pas toxique parce que... Hey, let's be fucking honest. Non, je suis pas toxique. C'est juste parce que je suis quelqu'un, je suis intense, fait que quand quelque chose me fâche, là, ben, je vais hausser le ton, mais je peux... Non, mais c'est vrai, parce que je moi, quand t'es contente, mes... t'es... Ouais, je suis comme... Ah, OK. Je suis juste, mm, je vais crier, mais je suis pas comme... Je vais tabarnak! C'est le gros québécois con, là! Yo! Non, mais. Non, mais je vais comme parler fort. Tout va être intense, là. Fait que... Ben oui. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai plus. J'aime... Ça me dérange pas que tu hausses la voix, que t'es intense. J'aime pas comme me faire crier dessus. Oui, comme... non, ouais, non. Comme quand c'est vraiment, mm-hmm, direct, t'as mis. Ouf. Yeah, non, mais. Shut down totalement. Ouais. Hein. J'écoute plus. Mais moi, j'aime pas. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui crie dans la vie, là. Mais ça dépend quand je suis sous un peu là, dans les events, peut-être. Non, quand mais t'es drunk, c'est quand plus... Quand je suis drunk, OK, peut-être. Quand t'es drunk. Non, je suis moi quand je suis drunk. C'est très lui, là. C'est juste moi fois 10, tu comprends? Mais c'est juste, j'aime pas... Formation. Chaque verre que je prends forme Voltron, genre. Non, mais c'est juste que genre, juste quand je fais juste parler fort... Okay. Ouais, puis comme, puis qu'on me fait dire que genre arrête de crier, je comme ça c'est whack as fuck, oh, là. Ma famille fait tout le temps ça. Moi je pense que nos oreilles sont trop sensibles. arrête de t'énerver, je comme tu parles trop, j'arrête de parler. Ça c'est, bon, ça c'est ton côté de famille white, hein, let's be fucking honest. Non, that's my mom. Ah ouais. Mon frère. Damn. Non, je suis parce que moi j'ai pris les deux côtés extrêmes de mes parents, puis c'est comme fois 10. Fait que des fois, j'arrive en venant à la job. Yo, check le zin! Là, Miss Madame Sénégal. Là, madame, ma mère. Là, j'arrive, ma mère, comme, ouh, Pamela! Puis là, mais. J'arrête de crier, mais je crie pas, je suis juste full dedans, oui, genre. Moi, c'est à cause de ça que je suis rendu extrêmement. Mellow. Parce qu'on m'a tellement. Juste le fait que. J'ose... Oh, pourquoi t'es énervé? Yo! Mmh. Là, maintenant, c'est rendu que même quand je suis énervé, je suis juste. Parce que je peux pas m'énerver. Mm. C'est le seul qui me dit pas que je t'énerve quand je commence à parler, ouais, de mes trucs, là. Ouais, elle a dit qu'elle s'énerve, puis je suis juste comme, non, t'es juste into ouais, it. Ouais, c'est ça, ouais. Non, ben, t'as le droit d'être into it. J'ai expliqué une histoire, puis là, l'histoire m'a fait chier. Fait que là, j'ai commencé à être mad. Mais mes parents sont tout le temps comme, bro, pourquoi t'es fâché? Je suis comme, non, je suis fâché parce que l'histoire m'a fâché, mais je suis pas fâché pour vrai, là. Non, exactement. C'est l'émotion de l'histoire, ça m'a mettre dedans, mais... Oui, il y a des gens qui sont... Ils vivent vraiment, mm-hmm, qu'est-ce qu'ils disent. Puis on dirait que... Il y a du monde que ils aiment pas ça. Ouais, c'est comme non. Mais ça peut être agressant. Monotone, là. Ouais. C'est agressant pour quelqu'un qui campe. I get it, là. Yeah. Mais tu sais, j'ai mes phases où j'aime un peu de monotonie, là. Oui. Mais je sais pas. Mais tu sais, des fois aussi, les sons agressifs m'agressent vraiment beaucoup, là. Oui. Mais je suis dans mon pepper age un peu, là, présentement. Là. Peppermint. Non, je suis dans mon peppermint age. Non, mais c'est vrai. Même moi, je suis rendu, là, des fois, là, surtout dernièrement, j'étais à la fête de ma nièce, là, puis j'étais comme... Ah ouais, tu m'as texté. J'étais comme... Ah, ouh, ça crie trop. Yeah. J'étais comme, faut trop de bruit. La gamme de basket qu'on est allé, même moi, j'étais comme, quête. Non, c'était intense, Je me suis passé par terre, là, j'ai mangé. Ah si, ça, c'était intense, mais de l'eau, là, moi, j'étais comme, what the fuck is going on? Mais moi, c'est vraiment juste des phases. Parce que, genre, si je suis dedans, ça va pas me déranger, je vais même crier aussi. Oui, exactement. Mais si admettons, ça me tente pas d'être là. Aïe, ou genre, tu parles dans ma tête, tu parles trop. Oh. J'ai juste fait, please. Ça, là.
C'est quand t'as mal à la tête, là, quelqu'un reste dans la yapping! Ben, comme ma mère, elle me le reproche, mais j'y reproche moi aussi. Ben, oui. Ouais, je suis OK. C'est pour ça que, tu sais, comme... Ma mom, oh my God, I remember those days, man. Des fois, j'étais juste... T'as envie de la dire, shut up. Yo, les airs, arrête plus. Tu dis shut up avec les yeux. Puis, ils prennent une pause, ils prennent une pause, t'es comme, OK, puis là... T'avais tout ça contre moi, quoi. Yo, je sais pas si vous avez vécu ça, genre comme... moi, ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait des fois, c'est que... Admettons, elle faisait la vaisselle, puis elle me parlait, mais sans parler, genre. Yeah. Oh, fait que là, quand tu disais... Mais, là, quand tu disais, mec, non, tu disais, non, je parlais tout seul, je te parlais pas à toi, genre, mais tu me parles au-dessus, genre. Et comme, non, je faisais juste énumérer ce que j'avais à faire, j'étais comme, OK. Lui donner un bâton, lui dire de faire la vaisselle, là. C'est pour ça que je suis bien tout seul. Ah, ouais, non. Ouais. Oh, non, moi, je suis avec ma mère, ça va bien, là. Ça va faire quand même une dizaine d'années. Ah, ouais, que t'habites seul? Yeah, ouais. I love it. I miss it. Moi, j'aime m'habiter tout seul. J'aime habiter tout seul, mais j'aimerais habiter avec quelqu'un. Non, mais tu... Yeah. J'aime... J'aime les chats là-dedans. Moi, I love cats. I love animals. Ouais, animaux. Il aime full mon chat. Il l'a jamais vu, mais il aime full mon chat. Mais je suis allergique, c'est le problème. J'adore les chats, mais si les chats se rapprochent de moi, je suis dans la merde. Mais il y en a qui sont hypoallergéniques. Non, mien non. Yeah. Non, j'ai vu son poil, j'ai dit, Yoli va me tuer, man. Ouais. Mais mettons, moi aussi, je suis allergique, mais je préfère les chiens. J'aime les chiens aussi, j'aime les deux. J'aime les chiens, mais moi, j'ai toujours dit un gros chien, grosse maison, petit chien, petite maison. Moi, dès que je vois les gros chiens dans les gros apparts, ça me dérange. Ah, yo, les apparts, ça me dérange. C'est comme tout ça que je trouve Montréal est problématique. T'as des monde qui ont des pitbulls dans des apparts. Genre quatre. Comme... Ouais. Je suis comme, bro, cet animal-là a besoin d'espace. Il y a un parking de bruit en plus, ça graffait le plancher. Ben oui. C'est powerful, là. C'est une belle bête, là. Tu as laissé ça dans une petite... Qu'est-ce que tu fais? Laisse-la les conquérir la cour. Non, c'est ça. Mais pour ça qu'appartement, chat, c'est mon shit. Oui, mais c'est ça. Fait que moi, habiter seul, j'aime... Ça fait 4 ans que j'habite seul. J'ai déjà eu des colocs, là. Mm-hmm. Mais je préfère ça que d'habiter avec mes parents, là. Genre... Quand j'habitais chez mes parents, j'étais tout le temps dans ma chambre. Genre, j'aimais pas... Exactement. J'aime juste savoir une certaine paix que je peux contrôler, genre. Yeah. Mais j'aimerais s'habiter avec quelqu'un avec qui je fourre, tu sais. Mais tu es juste fourré ou tu veux? Non, mais. Okay, non, fourré, c'est le perk principal, mais il y en a d'autres, elle m'aime aussi. Parce qu'à l'époque, vous êtes dans le chien, tu payes le loyer avec le coco, là. Vu que tu veux relationship or whatever you want, là, mais dis pas juste. Tu veux des hobos? des hobos sexuels. Des hobos sexuels. Écoute, les dates dans le parc, est-ce que tu penses pourquoi? C'est là que tu l'escales. C'est exactement ça. Tu voulais de 20 chips, qui? Je finis de la boire, je fais la bouteille. Chou! Quand t'en as une qui vient. Hey! J'ai entendu quelque chose! J'ai dit more than a day! Viens-t'en chez nous! En plus, si c'est le parc La Fontaine, là. J'habite en Schlag, laisse-moi te dire qu'il y en a assez. Exactement. Prochaine question. Prochaine question. Est-ce que vous montrez vos parties génitales à vos amis? Ouais, mais mes amis m'ont toutes vu tout nu. Là. Si tu m'as pas vu tout nu, c'est trop bizarre. Là, what the fuck? Mais mes amis filles, là... Non, mais je me suis souvenu avec... Non, moi... déjà dit. Où j'étais comme, what the fuck? I didn't see it. Après, je suis comme, oh, yeah, I remember. Non, avec mes amis filles, genre, très à l'aise. Là. Non, bro, we don't do that. We don't do that. C'est un peu... Okay. Avec gay! Yes, tout ça vraiment étrange. Que pourquoi je serais comme ben là, yo, bro? Bad. Yo, look at my dick, dog. Look at my dick, bro. Yo, bro, look at how hard it is. I want to compare with you. Send me one of yours. What the fuck is going on? Je pense qu'elle va mettre ma dick pic. Tu me disais si je dois prendre le meilleur angle. La bouteille, telle bouteille ou telle bouteille? Est-ce que la télécommande, c'est mieux que la bouteille? Exactement. Which one look bigger? Dog. OK, prochaine question. Combien de fois par semaine vous devriez avoir du sexe pour être heureux dans la vie? Comme j'ai plus vraiment de whole phase, je crois que je serais dans avec un... À vie, là, comme... Parce que moi, là, présentement, je suis comme right now ou sur une période comme... Jusqu'à temps que je crève, là. Comme... Ouais, je crois que je veux tenir le chiffre. Je veux dire 5. 5 fois par semaine, hein? Mm-hmm. Ouais, moi aussi, je pense. Une pour chaque journée.
La fin de semaine, on relaxe. Non, moi, je suis pas relaxé la fin de semaine. Non, moi, ce serait pas genre... Non, mais je t'explique. Moi, ce serait pas genre 5 jours de suite. Ce serait peut-être genre 3 breaks. Okay. Ouais, mais en tout cas, beaucoup de temps dans la semaine. Ouais, ouais, c'est ça. Une période de repos à chaque. Mais comme aussi dans la journée, plus qu'une fois. Présentement, 5. Oui, c'est ça. Une journée, c'est comme plus qu'une fois. Ouais, c'est ça. Non, exactement. OK, ouais. Ben, en tout cas, ouais. Non, pas genre 5 fois la même journée, puis on n'a plus le reste de la semaine. On fait plus rien. Hé, touche-moi pas, là. On a atteint le quota, là. Je suis vidé. Non, non. Non, 5 would be good. 5, puis la fin de semaine inclus, là. Ouais, mais tu sais, comme t'as dit, c'est vrai, ça fait plus de sens de... Un jour de off. Mais moi, je prévois pas ça. Là. Je suis juste comme j'ai envie. Là, mais c'est vrai aussi, j'ai pas envie de planifier mon sexe. Là. Ah, ouais, moi non plus. Ouais. C'est pas planifié, c'est à part comme si on a un. Juste dire, je suis available for this, there. That's it. Yeah, but I need a lot. Mais j'imagine pas être arrivé puis comme, OK, salut bébé, ouais, OK, tu vas-tu me baiser à soir? Fait que ça soir 6h, 6h30, soir portant parce que. Après le souper, là? Non, quand c'est ta blonde, non. Non, c'est ça. Non, je pense pas que c'est une bonne idée de planifier demain, mais juste avant le bowl. Moi, je le planifie souvent, là. Ouais, comme. Non, mais pas comme ça. Okay. Pas... Non, mais quand, non, mais quand comme... je racontais que, genre, les. Quand j'ai une fille qui vient chez nous, ouais, quand j'ai une fille qui vient chez nous, c'est pour fuck. Ouais. Mais c'est pas assez planifié, là. Ouais, c'est planifié. Oui, oui, demain, mais. Tu fais pas comme 3h30, tard, après, tu comprends, après 3h30, je te fous pendant une heure, après tu dégages. C'est comme... ça. Il y a le break, on va manger, boire un petit peu d'eau, on recommence. Okay. Là, on recommence, pas après. Mais là, ça va être juste des têtes, après ça. Exactement, 20 minutes de tête. C'est ça. Chronométré. 69, tout, change de position, OK. Exactement. Non, moi, je suis plus pour... Là-dessus, j'aime beaucoup quand, exemple, je sais qu'on va fuck. Ouais, mais je veux que ça soit chill. Je sais pas quand on va fuck. Ouais, mais c'est ça, juste qu'on laisse le truc se faire tout seul. Moi, sinon, je rentre dans ma tête puis je te stresse. Même si j'avais fucking envie par texte, mais je suis comme, bro, là, ils s'en foutent de ce que j'ai à dire. Ils just want to fuck me. So, why I can't stop talking? C'est vrai que puis là, je me stresse puis j'ai juste pas. Ça marche pas, là. C'est juste pas bon. Je veux dire, okay, est-ce que je comprends les signes? Est-ce que je vois les signes? Est-ce que je fais le move? Ouais, est-ce que je parle trop? Est-ce que genre, il. Does he care about what I'm saying? Parce que je sais que je suis comme. Je manque beaucoup de signes. I know. Je suis comme, am I reading this right? Am I reading this wrong? Non, pas moi, je les lis, mais je suis comme, est-ce qu'il voulait vraiment qu'on parle? Est-ce qu'il voulait qu'on... Non, maintenant, c'est pour ça que je prends mon temps de choisir parce que j'ai une personne qui me rush pas. Là. Mm-hmm. Comme si je suis fucking down. Quand on va se voir, laisse le truc se faire tout seul. Forcément pas, sinon. Ouais, j'avoue. Moi, un truc que j'aimais avec Voldemort, c'est que genre, quand ça est tenté, faisait je le dire, c'est comme, je fourrais là. Je suis comme, OK, nice. T'as vu? Ça, c'est correct. Ouais. Dis-moi pas en avance. Quand on est là au même moment, tu comprends, ça c'est chill. Comme si... Au moins, elle sait ce qu'elle voulait. On. Mais elle a l'air très... Elle a l'air d'avoir beaucoup de... Masculine energy. Yeah. Ah, c'est masculine energy. Non, pas partout. Là. Non, mais juste... de la situation, surtout avec l'orgueil. Non, mais je pense que c'est plus genre... Mais je sais pas si ça va sonner comme un disque, mais je veux pas que ça sonne comme ça. Mais c'est juste... Elle avait... Ben, OK. Elle aimait vraiment juste avoir le contrôle, en fait. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire qu'elle me donne un peu... J'allais dire leadership, mais c'était plus contrôle. Oui, c'est ça. Parce que le coup d'orgueil pour la faire, c'est vraiment comme si... Mm-hmm. Ouais, parce I'm right, puis je suis comme... Yo. C'est I'm in control, I'm driving. Moi, mettons, dans ce que j'aimais pas dans cette relation-là, c'est plus qu'elle aimait... C'est elle qui dictait un peu tous les termes de la relation. Mais oui, elle contrôlait. Mais c'est comme un métropole amour, c'était elle. Genre... comme plein d'affaires, c'était comme... Ça, même... Même comme je pouvais même pas mettre mon input tant que ça, fait que c'est ça que j'aimais pas tant. C'est... OK, donnais même pas d'espace pour... Mais ça, c'est pas une relation. T'avais même pas un dialogue. Ça finalement, t'étais comme, OK, viens ici, OK, viens ici. Mais c'est bon. Juste quand on se fâchait, genre, ben, que je me fâchais, je suis comme, mais Chris, tu décides tout. Non, je serais pas capable. Non, moi non plus. Alors, ça là reste tout seul, là, c'est plus une relation. Ouais. C'est un team. Attends, c'est quoi ça, là? C'est moi qui... En plus, je suis même pas ton seul boyfriend, what the fuck? Exactement, j'ai dit, yo, fais ta gueule. Non, peut-être pas. Je reste snap. Moi, je reste snap. Écoute. Je déteste être contrôlé. Ouais, moi aussi, non. Ça, c'est quelque chose que. Oh, yo, mais ça, c'est notre Sagittaire en nous en passant. Because I hate it too. I like a free love, an amour libre. Si tu me dis, oh, on fait ça comme ça. Moi, c'est dead. J'ai pas envie de le faire. Je vais faire ça une fois, puis je vais faire, OK, je vais essayer juste pour voir. Puis si j'aime pas ça, tu peux plus jamais le faire. Yo, mais il y a du monde qui veut dire quoi faire, il y a du monde qui veut pas dire quoi faire. Yeah, ça dépend. Parce que moi, il y a du monde qui veut dire quoi faire. Écoutez. Moi, ça me dérange pas que tu me dises quoi faire. Non, moi, ça peut me déranger. Tout dépendamment, genre, si j'ai du knowledge ou pas dans le bail. Ça, mettons, genre, ouais, tu sais, ma job, c'est graphic design. Yeah. Tu me demandes un flyer.
puis t'es en arrière de moi en train de breathe in pendant que je le fais. Non, j'ai pas besoin, genre. Comme, c'est ma profession, je sais ce que je fais. Mais si, admettons, genre, tu m'apprends, je sais pas, à coder. Puis t'es à côté de moi, tu me montres quoi faire. Ça, ça me dérange pas. Ouais, non, ça, c'est au contraire, je veux que tu sois à côté de moi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Non, c'est plus, je sais pas, dire, oh non, fais pas ça. Ça va me déranger. Là. Mais c'est comme tu as dit, ton scénario, il exprime bien qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je déteste, à vrai dire, dans le scénario. Parce que moi, ça me dérange pas que tu me dises quoi faire, si je peux comme avoir te donner un feedback. Si je peux te dire, oh, tu fais la fac. OK, mais pourquoi, explain it to me. Oui. Puis je peux peut-être voir ton way. Mais si c'est, on fait ça comme ça, puis je peux pas débattre ou donner mon input. Yo, on va battre, on va se battre. Mais ouais, le ta bitch, qu'est-ce qui se passe, là? Yo. Oh, non. I know, bitch. Mais c'est vrai, il y a du monde comme ça, contrôlé, comme... Ouais. I believe in chaos, so. Effectivement. OK, dernière question, avant la dernière question. Pamela, c'est quoi la différence entre date un gars puis date une fille? Ben, pour vrai, c'est le... Ben, c'est le... mon fille, moi, je trouve que c'est plus... mais je sais pas, avant je faisais attention à ce que je disais, où je faisais la différence, je suis comme, ah, je vais pas avoir la même approche pour un gars ou une fille. Maintenant, j'ai la même approche parce que pourquoi je changerais, là, ces deux personnes? C'est juste que je trouve que la fille, c'est, je suis un peu plus, même comme embrasser une fille, c'est plus délicat, c'est juste la vibe qui est différente, je trouve. Mais je change pas mon approche avec un gars et une fille, là. OK, t'es vraiment plus délicate même quand t'embrasses avec une... Non, mais comme quand que t'embrasses une fille, c'est vraiment comme... Plus c'est estrogène, okay, là, c'est très... Un gars, il y a un peu plus de... Même quand tu vois deux gays s'embrasser, tu vois que c'est comme intense. Ben, une fille, c'est vraiment plus doux. C'est plus dans ce aspect-là. C'est plus comme délicat. Que... Je suis un peu plus douce avec une fille qu'avec un gars. Un gars, j'ai plus... j'ai plus rough, là, je veux dire. Je vais te rentrer plus dedans. Une fille, j'ai un petit peu plus délicat. T'as déjà essayé d'être plus rough avec une fille? Non, je veux bien... Non, je me suis pas rendu là. Là. Okay. Je suis comme... Ouais, non, je me rends pas là. Quand t'aimes pas amener le masculine energy dans tes relations avec des filles? Ou c'est toi qui aimes recevoir le masculine energy? Ça dépend. Ça dépend qui. Ça dépend de l'énergie de la personne. Mais ouais, ça dépend. Mais mettons une fille qui va être plus, comme, plus grande, plus tôt, là, c'est elle qui va être plus masculine energy que moi. Mais si qu'on a à peu près la même, ça risque d'être moi qui reste plus masculine energy. Mais oui, je suis direct avec... Mais oui, je suis tout le temps direct. Fait que même des fois, il y a des trucs que je peux dire que je pense que c'est pas un manque de tact. Mais elle va le faire comme... Qu'est-ce que c'était chien? Je suis comme, OK, ben. Moi, je trouve pas, là. Fait qu'une fille, c'était peut-être un peu plus sensible à ça qu'un gars, là. Là-dessus, ouais. Non, je suis plus délicate avec une fille. Je vais m'amener de ma masculine energy un peu plus masquée, féminin. Si je l'amène, c'est involontaire, là. Je comprends. OK, est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question? On pense à tous nos invités. Racontez-nous votre pire expérience sexuelle. Mais que ce soit drôle ou whatever, ça peut être émotif aussi, là, mais... On veut keep shit light most of the time. Mais ouais, ça peut être drôle, ça peut être juste malaisant, etc. OK. So, c'était en fin, c'était l'année passée, l'été passé, genre. Là, j'avais trop faim, là, j'étais trop greedy. Je voulais, genre, expand mon roster. Puis, il y avait un gars qui m'avait vraiment bien hype par texte, là. Mais je pense, ouais, j'étais comme dans mon post-note clarity aussi, là. J'étais OK, ouais, je fucking dors. Là, on arrive, on fait ça, il mange, je trouvais ça bon. Au début, maman, j'étais comme, OK, genre, comme tu peux faire d'autres choses. Puis là, on arrive, quand on le fait, je monte dessus. Là, je commence à ride, mais je vois qu'il me suit pas. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par qui tu suis pas? Mais tu sais, je m'ouvre d'une façon, puis il est pas capable de suivre le motion. Fait que là, je suis comme... Tu sais, j'ai dit, à maman, j'ai dit, OK, mais genre, laisse-moi faire, là. Puis là, à un moment donné, genre, ils m'ont sûrement, là, « this ain't it », là. Puis je suis juste comme... Là, j'ai dit, OK, j'ai dit, on va manger, OK. J'ai dit, on va manger. Genre, là, ils se tassent, on mange. Là, j'ai resté une deuxième chance, mais j'ai ça avec mon jouet, là. J'ai dit, non, là, I'm not. J'ai amené mon petit Magic Wand, Wanda. Fait que là, j'arrive avec mon petit Wanda. Là, il est sur moi, puis ça marche juste pas, man. Fait que j'ai dit, OK, genre, on va faire moi une tête. Fait que dans le fond, je l'ai fait la tête avec le jouet. Fait que là, avec le jouet, j'ai squirt, je suis venue... Il a tout pris. Au moins, il a bien fait ça. Il a tout avalé. Puis après ça, ben... Grand garçon. Gros gars, good boy. Après ça, ben, j'ai demandé s'il pouvait me ramener chez moi, là, parce que ça allait pas. Le lendemain, je l'ai texté pour dire que j'ai aimé la soirée, qui était vraiment chill, mais que, like, sexuellement, je pense pas que ça marche. Enfin, je préférais qu'on reste juste amis, mais s'il veut pas être mon ami, I understand too. Mais je préférais être honnête, là. J'étais pas capable de dire en face, par contre, là. Que j'aurais trop bafouillé avec mes mots, là. Fait
Mais ça a bien... ça a été en bon terme, là. Au moins. Ouais. Et toi, Davidson? Je vais pas donner de référence de temps. Comme ça, ça va. Si la personne écoute le podcast, elle va pas se sentir visée. J'ai pas pensé à ça. Elle va savoir que c'est elle, quand même. Ouais, c'est ça. Somewhere in my life. En tout cas, je faisais ça avec une fille. We're having, like... C'était correct, comme. Mais moi, c'est comme... J'ai... Il y a une position que j'aime bien, là. C'est quand je lève les jambes, puis... Je les bend par-dessus. Really? Oh, yeah. I love that. Le missionnaire plié. Yeah. Ouais, là, c'est bien. Mon problème, là, c'est les noms des shit. Faudrait que j'aille faire vraiment prendre le temps d'ouvrir un Kama Sutra et apprendre les noms. Comme. Parce que je suis capable d'expliquer les positions, mais jamais les noms. Mm-hmm. Et puis, là, je l'arrive pour la pied, les jambes ne lèvent pas. Là, je suis comme... OK. Là, je suis comme... comme... Attends, t'as essayé de la plier deux fois, puis ça va. Ça va. La première fois, je pensais que c'était moi qui n'avais pas mis assez de... De force. De force. Mais je me suis dit, je crois que j'ai pris un coup de faiblesse. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. La deuxième fois, j'arrive, elle est comme, oh, shit, ow, ow. Je suis comme, yo, tu peux pas plier comme ça. Je dis, comment tu peux pas plier les gens? Ow, ow. Comment tu peux pas plier? Mais je l'ai breathe, là. Comme, comment tu peux pas plier? Je sais pas si elle a entendu, oh, Félix, j'ai dit... I hope not. Puis on a continué parce que c'était pas mauvais, c'est juste... Ça m'a vraiment... Ça a failli le me... Ça a failli me... Ah ouais. Parce que j'étais comme... Ouais. Ça m'a choqué. Bah ouais, oh j'étais my God. Je suis pas flexible à ce moment-là, je suis plus flexible que toi. C'est comme... Je sais pas, je suis capable de mettre mes genoux en arrière de mes oreilles, moi, par contre. Moi, ouais. Écoute. Ça a donné des belles images aux gens. Sur ce... C'était bien heureux. Ben, j'étais bien content de vous avoir mes premiers invités pour, mon, oui. pour ma nouvelle carrière d'animateur de moi podcast. Aussi, oui, ça a bien été. J'espère. Est-ce que vous voulez laisser vos réseaux sociaux pour que les gens vous suivent et tout? Ouais. Instagram, lofi.alien. Puis Twitter, c'est alien avec deux i. OK. Moi, c'est Toasted Can sur Twitter. Et puis, je réponds pas sur aucune autre plateforme. Vous allez me trouver à travers vos tweets sur les autres plateformes. C'est bon. Fait qu'avant de vous quitter, je vais laisser un certificat cadeau pour le comptoir Plaza Créole. C'est où? C'est-tu pas loin? On peut aller c'est sur... Tu vas aller live? Ouais, ça risque de fermer bientôt. Là, oh, oui, non, oublie pas ça. Temps. Manger proche de la fermeture. Mais... Non, on va comprendre les fonds d'affaires. Mais c'est ça, c'est comptoir Plaza Créole, c'est situé sur Saint-Hubert au 6670 rue Saint-Hubert, c'est sur la Plaza. Ouais, j'ai... Puis c'est super bon. Nous, à chaque fois qu'on. Ben, nous. Moi, maintenant, à chaque fois que. C'est ça. Parce que je suis triste, même, parce que j'aurais voulu voir Karel. Tu l'as manqué en plus. J'aurais shooté ma chute. Elle était là tout à l'heure. Je suis dead. Du Kai Kobe. Ça aurait peut-être fait un airball, mais bon. Je suis dead. C'est ça. Fait que c'est ça. Comptoir Plaza Créole. C'est super bon. Bouffe haïtienne, là, maintenant, vous êtes sûrement sur la Plaza parce que c'est belle définition là, pour acheter des affaires pour vos filles. Là. Pour vos fils, là. Fait que vous passerez là en attendant que votre fille choisisse la robe qu'elle va détester pour le reste de sa vie. C'est vrai, c'est là qu'il y a toutes les robes. C'est vraiment ça, en plus. C'est vraiment ça. Fait que, shout à Choc pour la diffusion. Achetez le merch, casquette et t-shirt. Abonnez-vous à notre Patreon. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, TikTok, IG, Twitter, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. Commentez, laissez des partager, laisser des pouces en l'air, liker, des 5 étoiles et tout. J'adore interagir avec vous, vous envoyer chier, etc. je sais que je suis le bouc émissaire, mais... Instigator! Le bouc écoute, émissaire! Écoute, I'm the instigator. Most hated, but the most congratulated! Still an instigator. Écoute. C'est ma timeline, okay? C'est ma timeline. Fait que c'est ça. Vous pouvez me suivre personnellement sur Jeux d'expérience sur toutes les plateformes. Je poste des mimes sur Twitter, sur Instagram à chaque jour. Fait que c'est ça. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du nouveau d'Amour et de sexe. Bye.